Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Saint-Pierre de Chartreuse pour vivre ensemble le final de l'Alpizère Tour dans son édition 2023, la 32e édition de l'Alpizère Tour qui s'annonce finir en apothéose aujourd'hui avec une superbe étape en Chartreuse qui viendra concrétiser eh bien, 5 belles journées de compétition que nous avons vécues tous ensemble et un dénouement que l'on est impatient de connaître maintenant puisqu'il y a des coureurs partout aujourd'hui sur la route de la Chartreuse. On va y revenir dans un instant. Avant cela, revenir sur ce qu'il s'est passé depuis le début de la semaine, puisque le top départ avait été donné ce mercredi à Charvieux-Chavagneux, et puis notamment une étape hier qui a été assez extraordinaire, une étape qui allait visiter les contreforts du Vercors, une étape entre Bièvre et Rhône, et la victoire d'un jeune Belge, Lennart Van Etveld, qui est allé s'imposer après avoir fait le break dans le final. Ils étaient sortis à 5 coureurs, et puis il en a terminé tout seul dans les 10 derniers kilomètres. Il est parvenu à prendre un petit peu de champ pour s'imposer et prendre le maillot jaune de leader, Lennart Van Etveld, sous les couleurs de la formation Lotto Destiny, l'équipe développement, l'équipe réserve de la Lotto que vous connaissez en World Tour et dans laquelle eh bien, ce jeune garçon avait déjà fait quelques excursions puisqu'il avait déjà signé un top 15, notamment sur le Tour du Catalogne au niveau World Tour. Donc pas une surprise de le retrouver hier aux avant-postes, mais avec un maillot jaune maintenant qu'il lui faut défendre aujourd'hui dans une étape hier qui a vu la victoire effectivement de Lennart Van Etveld, mais Oscar Honnelé, l'un des grands favoris, était deuxième, Kulset était troisième, le Norvégien, Lesio Martinelli quatrième, Taïm Edgrad cinquième. À noter les belles performances de Rémi Capron côté amateur, septième de l'épreuve, Martin Thiotet également à la neuvième place pour Bourg-en-Bresse Saint-Cyclisme, un classement général donc totalement rebasculé hier à l'arrivée à Saint-Maurice-l'Exil avec 55 secondes d'avance. C'est le capital que possède Lennart Van Etveld sur Oscar Honnelé, une 15 sur le Norvégien Johannes Kulset. Une toute autre histoire aujourd'hui, Jean-Claude, avec cette étape de la Chartreuse, partie sur les chapeaux de roue tout à l'heure, un temps orageux et surtout de nombreux cols qui attendent les coureurs. Oui, tout à fait, c'est une étape dantesque hein, qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La dernière, donc l'étape numéro 5, elle est longue de 161 km entre Saint-Thibaud-de-Coux et Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec les ascensions du Cucheron, du Granier, la côte de Montagnole, le Petit Granier, les Petites Roches, le col de Porte pour finir avec ses 15 km d'ascension à plus de 7,5%, et puis la côte de Saint-Pierre-de-Chartreuse, juste avant, bien entendu, la ligne d'arrivée ici, au cœur du parc de la Chartreuse. Une étape donc très difficile, et d'ores et déjà, donc, et on va en parler en direct, bien entendu, vous dire que les coureurs sont du côté de Chaparayan, vers Chaparayan-Barreau exactement, avant l'ascension du plateau des Petites Roches, et avant, bien sûr, l'ascension du col de Porte. Grande et dernière difficulté, bien sûr, de la journée. Voilà le col de Porte qui sera le juge de paix, un col de Porte qui avait vu s'exprimer il y a quelque temps le critérium du Dauphiné. Saint-Pierre de Chartreuse également avait accueilli le critérium du Dauphiné. C'était il y a une dizaine d'années avec la victoire de Jürgen van den Broek sur une étape qui n'avait d'ailleurs pas grand-chose à voir avec eh bien une étape dont la seule grosse difficulté était cette montée finale. Voilà donc pour le profil du jour en tout cas avec cette arrivée à Saint-Pierre de Chartreuse. Le profil, vous le retrouvez ici à l'image avec ses longues ascensions à franchir aujourd'hui tout au long des 161 km. Le départ, lui, a été donné de Saint-Thibaud-de-Coux à 11h30 précise pour le départ fictif. Le temps d'aborder un court faux plat montant vers le col de Coux et de redescendre sur Saint-Laurent-du-Pont où les coureurs ont déjà abordé une première traversée de Saint-Pierre de Chartreuse dans la montée du col du Cucheron. Les 6 maillots distinctifs qui s'étaient élancés en première position et on va le voir, des maillots distinctifs déjà en perdition. C'est le cas du maillot violet Gabriel Fédé qui a été distancé assez tôt dans l'étape. Jordi Warlop, le maillot vert, a abandonné sur la route de cette Alpizère Tour. Théo Thomas, avec son maillot rouge, était à l'arrière également, bien que ce soit lui à avoir mis le feu aux poudres lorsque la voiture s'est écartée au kilomètre zéro. Vous le retrouvez ici à l'image. Donc, le grand ménage qui est encore en train de se faire maintenant sur la route de l'Alpizère Tour qui entre dans les 60 derniers kilomètres de cette édition. On va les vivre tous ensemble en direct sur Télégrenoble, sur Vélo Plus TV, sur Direct Vélo, sur Facebook, sur YouTube. On bascule avec les images du direct. Ce sera juste après avoir écouté les mots de M. Denis Blanquer, maire de Saint-Thibaud-de-Coux, qui nous accueillait tout à l'heure pour le départ. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à l'Alpizère Tour. On est très heureux au niveau du village
d'accueillir un événement aussi important. Je dois remercier la communauté de communes du cœur de Chartreuse qui, par une convention avec Alpizère à Tours, a permis d'accueillir cette épreuve dans nos villages. Nous accueillerons à Saint-Thibault le départ de la dernière étape qui partira donc du village le dimanche le 28 mai. On est très heureux de voir cette épreuve, une épreuve aussi importante, partir du village. C'est vrai que c'est relativement rare d'avoir des épreuves comme ça. On a bien eu le passage du Tour de France il y a 2 ans, mais bon, c'est quand même des opérations qui sont rarissimes. Pour nous, c'est une occasion de rassembler un peu les gens du village qui viendront voir comment est organisée l'épreuve, comment voir les coureurs. Au niveau du village lui-même, bon, on est tout près de Chambéry, donc c'est un village qui essaie de s'animer sans devenir un village dortoir. Donc on a des commerces, on a une école qui font que il y a une vraie vie au village. On essaie de maintenir aussi une école de qualité qui est un lien social important au niveau du village, où les gens se connaissent, les gens commencent à se connaître au moment où ils amènent leurs enfants à l'école. Donc pour nous, c'est important de maintenir cette école, ces commerces et une animation au village. À titre personnel, ça va me rappeler des souvenirs cyclistes, puisque je travaillais à l'Agence nationale des fréquences et j'ai participé pendant une quinzaine d'années à la gestion des fréquences sur le Tour de France. Et on était basé à chaque arrivée d'étape, de toutes les étapes concernant Rhône-Alpes, dans le périmètre technique de l'arrivée des étapes. Donc c'est quelque chose que je connais un petit peu, donc ça me rappellera des souvenirs. Mais bien sûr, je souhaite donc la bienvenue à l'Alpizère Tour. On fera tous les efforts possibles pour que ça se passe dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'on n'a pas une place immense, mais on a déjà vu que c'était possible, que ça se déroulerait sur le parking des écoles, que le podium sera à côté de la mairie. Tout est prévu, on devrait pouvoir, en utilisant toutes les places disponibles, faire un très bon accueil à l'Alpizère Tour. Et les 60 derniers kilomètres d'une étape qui s'annonce historique dans l'histoire de l'Alpizère Tour, 32e du nom, eh bien, c'est un Britannique qui ouvre la route, Finlay Pickering. Vous le retrouvez ici à l'image, 59 kilomètres encore à parcourir. Ce garçon est sorti dès les premiers kilomètres d'ascension du col du Cucheron tout à l'heure, après quelques mètres d'échauffement en direction de Saint-Laurent-du-Pont. Eh bien, le Britannique, actuel 17e du classement général, qui avait remporté le Tour Alsace la saison dernière, discret depuis le début de l'Alpizère Tour, bien qu'il fasse partie des favoris, et bien aujourd'hui se dévoile totalement, puisque avec cette offensive assez tôt dans l'étape, on le retrouve maintenant en tête de course, avec encore quelques ascensions à franchir, alors que l'on aperçoit l'un des grands animateurs également de l'Alpizère Tour, Clément Carizé, que l'on retrouve ici intercalé, qui avait tenté de prendre un petit coup d'avance tout à l'heure avec l'un de ses coéquipiers. Eh bien, on va retrouver ces garçons dans un instant. À noter que l'on a un gros groupe de 8 coureurs qui évoluent avec un retard d'un peu plus de 3 minutes sur cet homme de tête. Mais on va s'attarder un petit peu sur justement Finlay Pickering qui ici est en train de faire un numéro. Dernier écart sur ses poursuivants directs, 3 minutes 40. Finlay Pickering qui aborde une courte portion de vallée, mais qui aujourd'hui fait un numéro exceptionnel. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que c'est un véritable exploit que réalise le coureur anglais qui traverse actuellement la localité de la Flachère avant Saint-Vincent-de-Mercus. C'est-à-dire que les coureurs donc sont dans la vallée du Grésivaudan pour remonter sur le plateau des Petites Roches. Donc on va descendre, monter sans cesse jusqu'à la ligne d'arrivée ici au cœur du parc de Chartreuse. En tout cas, le coureur anglais qui porte le dossard numéro 31 et les couleurs de la Trinity Racing, donc vainqueur effectivement d'un très beau Tour d'Alsace, est vraiment un coureur qui
illustre cette cinquième et dernière étape. Il a dû partir dans les premiers kilomètres de cette cinquième et dernière étape, et c'est vrai qu'il est véritablement étonnant. Dernier écart, donc, on le disait tout à l'heure, alors qu'on va se rapprocher de la zone de ravitaillement, 3 minutes 40 pour Finlay Pickering, le coureur anglais, leader de la formation Trinity Racing. Avec Clément Carrezé, que l'on aperçoit ici à l'image, avec Clément qui était sorti faire les points pour le sprint intermédiaire qui se disputait 2 km avant notre prise d'antenne. Donc Clément Carrezé qui avait dû s'isoler à l'avant pour essayer d'aller grappiller des points, même si Finlay Pickering a dû en prendre le maximum. Et bien, c'est 2 points de plus pour Clément Carrezé pour essayer de conserver le maillot distinctif qu'il a actuellement sur les épaules, le maillot bleu justement des sprints intermédiaires. Donc la consigne devait être claire du côté de Charvier-Chavagneux-Isère Cyclisme, mais pour l'instant on respecte les consignes. C'est assez remarquable pour Clément Carrezé d'être toujours présent à ce niveau de la course, parce que hier, avec le maillot jaune sur les épaules, il a vécu une sale journée, décramponné dans la plus grosse ascension du jour. Il a terminé très loin, plus d'espoir au classement général. Mais Clément Carrezé, eh bien aujourd'hui, qui se refait la cerise et qui tient tête avec le groupe des favoris, de quoi aller chercher les précieux points. Ça va être compliqué tout à l'heure pour lui dans le col de Porte, mais le fait d'avoir pu passer avec les meilleurs le Cucheron et le Granier, eh bien ça fait quelques points de plus dans la musette pour le classement des sprints et pourquoi pas même de la combativité. Oui, en tout cas, il prouve, Clément Carrezé, qu'il est en très très grande condition physique actuellement, et il aura fait, quoi qu'il arrive, un excellent Alpes-Isère Tour. Je dis bien quoi qu'il arrive, parce que c'est vrai qu'il a gagné donc une très belle victoire d'étape, alors que là, on découvre une route mouillée. C'est dire qu'il doit y avoir quelques orages par intermittence donc sur le cœur de Chartreuse. Pour en revenir donc effectivement à Clément Carrezé, un très grand Alpes-Isère Tour pour le coureur de Charvieux. Maillot jaune, là actuellement donc il a encore un maillot de leader sur les épaules. C'est vrai qu'il aura vraiment honoré et illustré en même temps d'ailleurs cette 32e édition de l'Alpes-Isère Tour. Voilà, toujours donc sous la pluie, peut-être d'ailleurs que effectivement on va découvrir ce massif donc du côté, je dis bien, de la vallée du Grésivaudan. Ouh là là, Pickering nous fait peur. Hein. C'est vrai que c'est un coureur anglais, Lilian, donc il est à l'aise sous la pluie finalement. Hein. Il trouve un terrain à sa convenance. Il trouve un terrain à sa convenance, mais là il a failli, aller à la faute. Et là, je crois qu'il va falloir qu'il soit très 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 prudent, parce que les routes comme cela, donc qui ont séché pendant des jours, parce qu'il a fait très très beau hein, sur la Chartreuse et sur les massifs alpins, donc sont des routes qui deviennent très rapidement glissantes. Et là, il va falloir que le coureur anglais maîtrise la situation s'il veut encore conserver des chances de victoire, alors que nous sommes, il faut le rappeler maintenant, à 55 kilomètres de l'arrivée, l'écart 4,25 donc sur le groupe maillot jaune. On n'a jamais vu ça, Lilian, hein, dans l'Alpes-Isère Tour, et c'est tout à fait étonnant de voir que au niveau de ces étapes, il y en a eu 5 et nous vivons actuellement la dernière, ça a été animé de bout en bout. Ouais, avec des animations de course, des situations de course qui ont été même surprenantes. C'est vrai, mercredi, avec une échappée qui est allée au bout, chose rare à Charvieux-Chavagneux pour la première étape, avec un superbe finish jeudi et la victoire de Noah Isidore sur la route de Fours. À Colombier-Saunu, un final extraordinaire avec 2 amateurs, Clément Carrezé et Théo Thomas, qui ont résisté également au retour du peloton, et c'était la victoire d'étape pour Clément Carrezé. Et puis hier, finalement, une course où les écarts ont été très 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 important, avec la victoire en tout cas de Lennart Van Etvelt, alors que l'on va nous reprendre un petit peu la situation de course qui était compliquée jusqu'ici avec beaucoup de groupes éparpillés. Mais maintenant que l'on aborde cette vallée du Grésivaudan qui accueillera dimanche prochain l'Alpe Grésivaudan Classique, deuxième du nom, ce sera la course féminine, manche de Coupe de France et épreuve internationale. Nous reviendrons donc sur le territoire du Grésivaudan, mais à l'occasion de cette vallée, eh bien regroupement dans le
peloton, on va l'appeler le peloton maintenant, puisqu'on avait 8-9 coureurs, parmi lesquels le maillot jaune qui était jusque-là intercalé. Et puis petit à petit, c'est revenu de l'arrière. Et on le voit avec tout de suite le travail qui est réalisé par les coéquipiers de Johannes Kulseth pour la formation UNOX, le troisième du classement général, qui met ses hommes à rouler parce que Finlay Pickering constitue une menace importante pour le classement général. Une situation qui s'éclaircit. Donc Finlay Pickering en tête de course, 4 minutes 30 d'avance sur un peloton, bien sûr, qui a perdu de nombreux éléments, mais un peloton tout de même. Voilà, pour nos amis téléspectateurs, donc, nous sommes à la sortie de la Flachère et on va rentrer donc, sur Saint-Vincent de Mercuse. Effectivement, donc, ce qui est important à noter, donc, c'est le gros travail de la UNOX actuellement pour... Johannes Kulseth, donc le dossard numéro 91, troisième à une petite minute et 19 secondes du maillot jaune. Quand on voit ce qu'il leur reste à faire, je dirais qu'un écart de 1,19, c'est rien. Il reste 53 km et de terribles ascensions, donc notamment la côte des Petites Roches, c'est 8,3 km d'ascension à 7,5 de moyenne, et puis surtout le col de Porte, 15 km d'ascension à un peu plus de 7% de moyenne. Donc le premier est classé en deuxième catégorie, le col de Porte donc est classé lui en première catégorie. Alors que vous découvrez les différents classements avec des classements qui vont évoluer. C'est vrai qu'en même temps que Jean-Claude en parlait, on a redécouvert les écarts au classement général. Du côté du classement par points, on aura du mouvement forcément puisque le maillot vert a abandonné la route de l'Alpizère Tour. Donc on aura forcément un nouveau leader ce soir du côté du Grand Prix de la Montagne. Là aussi, beaucoup d'évolution puisque Pickering, Jean-Claude, fait le plein depuis tout à l'heure en passant en tête à chaque ascension. Oui, tout à fait. Donc, il fait le plein tant au niveau donc, du classement de la montagne que des sprints. Le dernier qui a été disputé, je rappelle, c'est le sprint de Barreau qui se situait donc au kilomètre 98. Concernant les sprints, donc, il reste le sprint en or à disputer au kilomètre 119 à Saint-Hilaire-du-Touvet. Ce sera à 42 km de l'arrivée, donc dans 10 km, Pickering donc aura toutes les chances de remporter aujourd'hui ce sprint en or, le dernier bien entendu de cette 32e édition de l'Alpizère Tour. Et on va revenir sur ces différents classements intermédiaires alors que la situation va se tendre un petit peu pour Finlay Pickering qui a toujours le bon coup de pédale. Mais c'est vrai que derrière l'allure du peloton, un peloton reformé avec des formations qui se sont retrouvées. On a compté les coéquipiers. Et puis voilà, du côté du NOX, on a pris la décision d'emmener ce groupe. On a les coureurs de la Green Project également. Côté Trinity, on essaie de rassurer Finlay Pickering, de l'encourager également. Voilà quelques consignes. Petit bidon au passage également, j'imagine. Et un écart qui, pour l'instant, reste stable à 4 minutes 30 alors que l'on va entrer dans les 50 derniers kilomètres. Du côté, justement, des différents classements, et bien pour la montagne, et bien maintenant Finlay Pickering était déjà revenu à hauteur de Gabriel Fédé. Il est maintenant leader de ce classement et on imagine mal maintenant comment la victoire dans le maillot violet pourrait lui échapper. Reste à voir dans le col des Petites Roches avec, c'est vrai, une ascension longue finalement pour une ascension classée deuxième catégorie. Cela va monter pendant un petit moment avec plus de 8 km d'ascension. Oui, ça aurait presque mérité donc un classement en première catégorie pour cette côte des Petites Roches qui permet donc d'accéder au plateau du même nom et de découvrir donc Saint-Hilaire-du-Touvet. Voilà, donc on voit que dans le peloton qui se trouve maintenant à 4 minutes 30 de l'homme de tête, virtuel maillot jaune, bien sûr, sur les routes de cet Alpizère Tour, on voit que dans le peloton derrière, on découvre des intérêts communs finalement. Et la UNOX comme Green Project, donc effectivement, ce sont des équipes et des formations qui ont des coureurs placés à 1 minute et quelques secondes. Pour la UNOX, on le disait tout à l'heure, c'est Johannes Kulseth qui est à 1,19 du maillot jaune. Pour l'équipe italienne Green Project Bardiani CSF, eh bien, Alessio Martinelli est quatrième du général à 1 minute et 22 secondes. Et disons que ça peut-être faire aussi les affaires du maillot jaune. Qui se retrouve. À lui qui est esselé. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire, Lilian. Maillot jaune qui aujourd'hui et actuellement est tout seul,
puisqu'ils étaient deux coureurs à prendre le départ tout à l'heure à 11h30 très précise, donc à Saint-Thibaud-de-Coux, deux coureurs de la Lotto Destiny. Donc il y avait Giddings et le maillot jaune. Giddings a abandonné, ce qui fait qu'il ne reste plus que Lennart Van Helvelt en course. C'est une citation, Lilian, qui est un peu inhabituelle finalement, hein, de retrouver un coureur d'une équipe avec le maillot jaune. Moi, ouais, je n'ai pas souvenir d'avoir d'avoir pu vivre une situation pareille. Et c'est vrai qu'on se pose quand même des questions. Comment pouvoir défendre un maillot de cette importance-là alors qu'on est tout seul ? Avec le talent de Lennart Van Helvelt, ce sera peut-être la seule réponse à apporter tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de grand monde. Hier, en tout cas, il nous a fait un numéro dans le final. Puisque pour rappeler, et sans aucunement dégrader son coéquipier Joshua Giddings, hier, Van Helvelt a gagné l'étape, mais son coéquipier est arrivé dans le groupe Eto juste avant la voiture balai. Elle signe finalement que du côté de cette équipe Lotto Destiny, eh bien, Giddings n'était pas non plus au mieux. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, Van Helvelt, face à la pente, face à ses adversaires, doit se débrouiller tout seul. C'est encore confirmé avec la méforme de Giddings, puisqu'il a quitté la route maintenant de l'Alpizer Tour. Eh bien, Van Helvelt, effectivement, qui va pouvoir profiter, comme tu le disais, Jean-Claude, de cette situation, puisque pour l'instant, on mène la chasse derrière Pickering pour défendre le podium de Johannes Kulstedt, pour défendre un podium éventuel pour Alessio Martinelli, qui est quatrième du classement général à 1,22 seulement, et menacé forcément par Finlay Pickering. Donc pour l'instant, tout baigne finalement pour Lennart Van Helvelt, qui, je ne vais pas dire, va se faire oublier dans cette phase de course, loin de là, mais pour l'instant, qui n'a qu'à suivre et profiter de la prise de responsabilité de ces deux formations. Oui. Tout baigne alors qu'on sort de la zone de pluie. Hein. Donc, heureusement, les coureurs retrouvent un terrain, disons, plus propice à la pratique du vélo, moins dangereux en tout cas. Terrain sec actuellement, donc, pour les coureurs qui se situent maintenant un peu plus de 50 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'ils ont déjà parcouru plus de 110 km. Et le coup de pédale de Finlay Pickering m'impressionne. Ça va faire bientôt 100 km qu'il est à l'avant. Mais derrière, c'est impressionnant aussi de voir comment on aborde ce col des petites roches, hein, pour le groupe de poursuite. On met vraiment une grosse pression. Pickering qui, lui, a pris son rythme, qui monte au train. Et il semblerait même que l'écart soit encore en train d'augmenter. Pickering qui est sur des portions plus difficiles que le peloton. Hein. C'est toujours difficile de comparer deux images avec 5 minutes d'intervalle entre les deux groupes. Mais c'est vrai que le peloton aborde très fort en tout cas cette ascension. À voir comment on la poursuit, si on parvient à réduire l'écart sur Finlay Pickering, qui dans tous les cas sera le héros du jour. Hein. Je ne sais pas si ça ira au bout, mais chapeau d'avoir animé de la sorte les routes et d'avoir pris cette responsabilité pour un garçon qui pourtant avait la pancarte, qui hier n'a pas réussi à accrocher le bon wagon, mais qui n'est qu'à 3,38 au classement général, top 15 déjà au départ de cette étape et qui s'est dévoilé dès les premières pentes. Oui, en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, je pense qu'il ce soir à Saint-Pierre de Chartreuse, il va accumuler tout un tas de maillots de leader, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, à mon avis, tout va se décider dans la dernière ascension, la dernière grande ascension, le col de Porte. Et l'offensive à nouveau de Clément Carizé. Ouais. Il est intenable aujourd'hui, Clément, avec les couleurs de Charvieux-Chavagneux, ou plutôt les couleurs bleues de son maillot distinctif de leader des sprints intermédiaires. Alors qu'après avoir attaqué très fort cette ascension, on avait un groupe qui occupait un peu plus la largeur de la route et dont on a pu faire un petit peu l'inventaire. J'ai vu plusieurs coureurs de Bourg-en-Bresse en cyclisme. On rappelle que Martin Ciotta, le Norvégien, est 8e du classement général. Charles Page est dans le top 15 également. L'équipe Bressen qui fait un super Alpizer Tour également. Et il me semble avoir aperçu en queue de groupe Rémi Capron. Du côté de la DSM, on a aperçu avec son maillot blanc de meilleur jeune Oscar Honnelly, le 2e du classement général. Voilà, pour l'instant, les grands favoris sont là. C'est vraiment du côté des maillots distinctifs, des maillots leaders qu'on a perdu gros. Gabriel Fédé qui est très très loin. Warlop qui n'est plus dans la course. En tout cas, pour le maillot bleu, lui, ça a l'air d'aller pas trop mal pour Clément Carizé. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que Clément sait que
à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc au kilomètre 119, nous ne serons plus qu'à 42 km de l'arrivée. Il y a le dernier sprint, le sprint en or polar. Peut-être vise-t-il donc, je dirais, ce maillot et ce sprint en même temps. C'est peut-être une de ses priorités aujourd'hui. En tout cas, il vraiment fait merveille hein, sur ses contrefort de Chartreuse actuellement, alors que le peloton lui tient toute la largeur de la route. C'est vrai que à ce niveau-là, effectivement, ça montre grand train pour Clément Carizet, le leader de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, qui semble, disons, pas trop mal hein, finalement dans cette ascension. Il n'est pas réputé pour être un très très grand grimpeur, Clément Carizet, mais en tout cas là il nous gratifie vraiment d'une très très belle étape. Je crois que c'est un garçon aussi qui marche plutôt au moral, et là il a dû retrouver des sensations assez incroyables après que la victoire sur Colombier-Saunieu, le maillot jaune et d'autres maillots de leader. Et le maillot jaune qui attaque derrière Clément Carizet justement. Lennart Van Etveld qui se rend compte finalement que les coéquipiers UnoX, Green Project, eh bien, ça ne va pas permettre de faire plier Finlay Pickering. Donc autant y aller soi-même, c'est ce qu'on vient de se dire chez le jeune Belge, lancé à la poursuite maintenant de Clément Carizet. Le peloton derrière avec Oscar Andoné pour l'instant qui ne semble pas réagir. Et Lennart Van Etveld, alors attention à ne pas se sentir trop fort non plus à 50 km de l'arrivée, mais voilà, qui veut réagir parce qu'on voit bien que l'écart peine à descendre et que Finlay Pickering eh bien, peut même lui chipper le maillot jaune actuellement, virtuellement. C'est Finlay Pickering qui est maillot jaune. Alors il y a les 3 minutes 38, il va falloir les conserver hein, pour Finlay Pickering, mais Van Etveld qui ne veut pas perdre plus de temps et qui réagit maintenant à la poursuite de Clément Carizet dans cette ascension des Petites Roches. Ouais, ça s'appelle du panache. Vraiment, le maillot jaune là aujourd'hui montre qu'il est un excellent coureur, qu'il a vraiment des qualités assez incroyables, notamment en montagne. Et la jonction est sur le point de se faire avec le maillot bleu. Donc, maillot bleu, maillot jaune en tête de ce peloton actuellement. Et là, je suis curieux. Est-ce que Van Etveld va en remettre une couche tout de suite ou se contenter eh bien, de continuer l'aventure avec Clément Carizet? Visiblement, ils y vont tous les deux. Cela monte fort, hein. On n'est pas sur des énormes pourcentages, c'est vrai que la montée est longue, mais ici le bitume qui a l'air de rendre correctement, montée roulante pour l'instant et braquet important pour les coureurs. Et Clément Carizet qui nous confiait hein, hier au départ les capacités de récupération dont il faisait preuve, notamment après plusieurs passages chez les professionnels. Eh bien, ça en est l'illustration parfaite aujourd'hui. Hier, il a peut-être eu un petit coup de chaud, comme beaucoup de coureurs. Il faisait très chaud hier sur la route de Saint-Maurice-l'Exil. Eh bien, aujourd'hui, les choses vont bien pour Clément Carizet. Et Finlay Pickering, lui qui, peut-être pour la première fois, semble un peu plus buté face à la pente. Pente un petit peu plus relevée maintenant sur la deuxième partie du col. Et Van Etveld qui s'en va tout seul. Qui s'en va tout seul, oui. Alors que c'est vrai que Clément Carizet, j'étais sur le point de penser que Clément Carizet avait un intérêt de rester avec le maillot jaune pour assurer les points, bien sûr, du sprint en or, même s'il n'aura pas la première place. C'est évident, puisque cette première place va revenir à l'homme que l'on voit actuellement, le coureur de la Trinity, donc Finlay Pickering. Ça, c'est une évidence avec 4 minutes 25 d'avance. Il ne peut pas être repris dans les 5 km qui nous séparent maintenant du dernier sprint, le sprint en or, polar. Par contre, l'intérêt de Clément Carizet était effectivement de cumuler des points, et s'il avait pu accrocher la roue du maillot jaune, ça aurait été pour lui, à mon avis, une bonne opération. Et ce qui est terrible, hein, je vérifiais sur le profil, mais au sommet de la côte, au sommet du col, on ne bascule pas. Hein, on va continuer sur le fameux plateau des Petites Roches, aller disputer le sprint en or à Saint-Hilaire. Et c'est encore après qu'on ira chercher vraiment la bascule qui ramènera les coureurs dans la vallée. Donc là, phase de course qui va être intéressante, importante, et où il va falloir gérer l'effort et on s'asperge. On ne s'asperge pas soi-même, on asperge son coureur chez la Trinity. C'est vrai que là aussi, hein,
Le ou les ravitaillements vont être importants tout au long de ces kilomètres. Les arbitres de l'UCI ont compris la décision d'autoriser le ravitaillement jusqu'au sommet du col de Porte, c'est-à-dire à, on va dire, en gros à 10 km de l'arrivée. Du sommet du col de Porte, il y aura 9 500 km de descente, extrêmement rapide d'ailleurs, en direction bien sûr de Saint-Pierre de Chartreuse. Et puis la dernière difficulté donc pour en terminer avec cette étape, c'est la côte de Saint-Pierre de Chartreuse qui permettra de rejoindre la ligne d'arrivée ici. Voilà, donc beau numéro en fait du maillot jaune. Hein. Et derrière, on est en train de revenir avec Oscar Honley, un coureur, je crois, de la Groupama FDJ Conti. Est-ce que c'est Brio Roland, déjà le 11e du classement général? En tout cas, du côté de ces jeunes coureurs, pour l'instant, on va peut-être se retrouver avec un sacré trio lancé à la poursuite de l'homme de tête. Un écart qui est descendu un petit peu, 4,25. Mais du côté du gros peloton à l'arrière, on n'a pas pu prendre la roue, c'est certain. Alors qu'on nous a annoncé également par ailleurs un petit problème mécanique pour Rémi Capron qui était revenu dans le groupe maillot jaune, mais toujours pas le c'est jamais le bon moment pour avoir un ennui. Ici, ça l'est peut-être encore moins dans une phase de course à 48 km de l'arrivée qui est intéressante avec un maillot jaune lancé à la poursuite de l'homme de tête, un maillot blanc, deuxième du classement général, Oscar Honley qui a essayé de revenir coup de pédale après coup de pédale. Et derrière, eh bien, peut-être Brio Roland qui s'accroche comme il peut. En tout cas, on voit que les hommes en forme d'une part et je dirais les grosses pointures hein, de ce peloton, finalement, montrent le bout de leur nez et montrent en tout cas toute leur capacité à pouvoir attaquer des cols et des côtes, puisque les Petites Roches est classée comme côte en deuxième catégorie, même si ça développe plus de 8 km d'ascension. Nous sommes au kilomètre 47 km pardon, de l'arrivée, donc à un peu plus de 3 km du sommet. 3 km du sommet, encore une fois, ce n'est qui n'en est pas vraiment un. On ne basculera pas tout de suite. Et du côté des différents classements. Donc on attend le passage au sommet de la côte des Petites Roches et jusque-là, Finlay Pickering qui est donc passé en tête des quatre ascensions répertoriées jusque-là, ce qui lui vaut 38 points dans ce classement. Mathis Lebeau est à 26. Donc pour l'instant, du côté du maillot de meilleur grimpeur, c'est bien parti pour Finlay Pickering à 3 km du sommet. Voilà, donc on vient effectivement de passer le panneau qui indique ces trois derniers kilomètres d'ascension. Là encore, donc Finlay Pickering doit passer en tête au sommet du col, classé en deuxième catégorie, côte des Petites Roches et non pas col, comme je viens de le dire par erreur. Mais là encore, donc ça lui ferait 5 passages en tête donc au sommet. Il reste 2 ascensions, et je le rappelle, le col de Porte est classé, lui, en première catégorie. La côte de Saint-Pierre de Chartreuse, quant à elle, moins longue et moins difficile, est classée en troisième catégorie. Alors, pour ce qui est des classements intermédiaires, notamment le Grand Prix de la Montagne, il faut rappeler que l'école de première catégorie offre un certain nombre de points aux 6 premiers coureurs passant au sommet. Le premier marquant 10 points, le deuxième 8 points, le troisième 6 points, le quatrième 4 points, le cinquième 2 points et le sixième enfin 1 point. Les cols de deuxième catégorie donc sont réservés aux 5 premiers, bien sûr, passant au sommet. 8, 6, 4, 2, 1 pour les 5 premiers. Voilà donc ce type de classement. Et du côté des sprinteuses intermédiaires avec le leader Clément Carizet, eh bien pour l'instant, sauf erreur de ma part, il ne pourrait plus être repris avec les points marqués, même s'il reste encore à disputer un sprint qui sera le sprint en or d'ici très peu de temps. Eh bien Clément Carizet ne pourrait plus être repris. Donc pour le maillot bleu, c'est joué. Pour le maillot vert du classement par points, on patientera encore un petit peu puisqu'il faut ajouter les points marqués à l'arrivée. Et pour l'instant, si Clément Carizet est toujours leader, il va être qui est deuxième de ce classement. S'il va chercher des points à l'arrivée, et cela semble être bien parti, pourrait aller chercher ce classement par points. Oui, sachant qu'il faut le rappeler, Lilian, donc le leader de ce classement par points, qui était à la fois leader et bien sûr porteur aujourd'hui, Jordi Warlop, le coureur belge de la Soudal Quickstep, a abandonné. On ne sait plus trop où, mais certainement
je pense, dans les premiers kilomètres de cette étape. C'est vrai que c'est une étape meurtrière et quand on voit qu'on n'est peut-être pas très très à l'aise en montagne, ça fait tout de suite peur. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que les coureurs sont passés à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qu'à Chaparian, ils peuvent rejoindre la ligne d'arrivée. Ça incite les coureurs non motivés à descendre de vélo et bien sûr à quitter la course. Ah, je suis impressionné par l'allure ici imposée par Van Etvedt, mais Oscar Henley qui n'a rien lâché, qui coup de pédale après coup de pédale revient. Un écart qui est descendu à 3 minutes 40. On perd un tout petit peu les images, mais on va revenir justement sur un point complet de l'épreuve, puisque l'on retrouve Finlay Pickering en tête. Lennart Van Etvedt vient d'être repris par Oscar Henley, donc au deuxième échelon de la course, avec un écart maintenant de 3 minutes 40. Les numéros 1 et 2 du classement général qui font donc course commune. Brieux-Roland avait essayé de s'accrocher pour la Groupama FDJ Continental, mais vient de laisser filer ces deux hommes. On devrait le retrouver intercalé au même titre que Clément Carizet, alors que le peloton qui s'était formé, donc le peloton qui s'était formé, eh bien, a bien explosé maintenant avec quelques infos qui nous parviennent. On remercie à ce titre notre partenaire média Direct Vélo qui nous permet de suivre un petit peu tous les échelons de la course en plus de nos caméras. Eh bien, ce peloton qui a perdu notamment Joris Chaussinant, le leader d'équipe AG2R Citroën U23, un petit peu en difficulté maintenant. Et pour l'instant, Van Etvedt qui ne demande rien à Oscar Henley et qui continue sa marche en avant. Alors 3,40, ça veut dire que l'écart revient sous contrôle vis-à-vis de Pickering. On rappelle qu'il avait 3 minutes 38 de retard au classement général. Donc ici, on vient assurer le maillot jaune pour Van Etvedt, mais il a l'air gourmand, le Belge. Attention à ne pas l'être trop non plus. Il reste un joli morceau tout à l'heure avec le col de porte. Et ici, l'ascension est faramineuse pour ces deux hommes. On est bien lancé à la poursuite de Finlay Pickering qui, lui, continue de monter au train à son rythme. Et un rythme toujours important malgré tout. Il serait intéressant de savoir où le coureur anglais a pu partir, à mon avis, dès les premiers kilomètres, je pense. Dès les premières rampes hein, du Cucheron, au moment de traverser justement Saint-Pierre-de-Chartreuse pour la première et seule fois avant l'arrivée. C'était en tout début d'après-midi. Eh bien, Pickering était déjà aux avant-postes. Bah, il se paye un bel effort solitaire, en tout cas. Hein. Le coureur anglais de la Trinity, il a déjà 120 km ou presque d'échappée. Je me demande s'il n'est pas en train de payer l'addition, parce que derrière, ça va revenir très fort. Et on voit un maillot jaune qui ne laisse pas le soin donc à Oscar Henley de prendre le relais. En est-il capable? C'est peut-être aussi qu'il est bien content d'être dans la roue du maillot jaune. Les coureurs, donc, on vient de le voir à la moto, donc, qui sont sur une base à 15-17 km/h de moyenne dans cette ascension. Donc, ça prouve toute la difficulté de cette ascension qui nous amène à une altitude d'environ 1000 mètres au sommet de cette côte des Petites Roches. Le point culminant de l'étape, c'est le col de Porte à 1325 mètres d'altitude. Et ce sera la Cima Copi de l'Alpizar Tour. Le souvenir Henri Desgranges pour ceux qui veulent rester plutôt dans l'esprit Tour de France. En tout cas, le plus haut sommet de cette édition, 1325. J'ai l'impression que petit à petit, on monte en altitude. Hein. Toi qui as connu beaucoup d'éditions l'enclos de l'Alpizar Tour, qui était autrefois le Tour Nord-Isère, je crois qu'on monte de plus en plus haut. Oui, c'est vrai. Hein. C'est à mon avis, donc, alors que là, on se situe à 2 km du sommet, ça veut dire que Pickering ne doit plus être très très loin maintenant de basculer en tête au sommet. Je reviens effectivement sur ce que l'on évoquait, c'est-à-dire l'intention des organisateurs du Cotny, puisque le comité d'organisation Tour Nord-Isère est le comité donc, qui gère l'Alpizar Tour. C'est vrai que leur intention est de découvrir donc, les massifs alpin. On a découvert donc le Vercors hier, la Chartreuse aujourd'hui. Dans quelques années, pourquoi pas le massif de Beldon ou d'autres. Il y a de quoi faire et largement de quoi faire dans la région
pour satisfaire les appétits et bien entendu satisfaire les coureurs et les grimpeurs en particulier. Voilà, donc je crois que l'homme de tête, donc encouragé par son directeur sportif, Finlay Pickering, donc de Sartre 31, le coureur de la Trinity Racing, doit se rapprocher bien sûr du sommet. Dans les 500 derniers mètres. Nous sommes à 45 km 200 de l'arrivée. Le sommet des Petites Roches est à 44 400. Oui, effectivement, donc on doit être dans les 500 derniers mètres de cette difficulté. Mais une côte qui, Lilian, me semble quand même relativement difficile. Très irrégulière en tout cas, puisqu'on a vu tout à l'heure vraiment l'opportunité d'emmener du braquet chez les deux hommes en contre-attaque, Van Elvelt et Honley. On les a vus filer très vite et puis derrière des portions beaucoup plus raides dans lesquelles sont d'ailleurs, dans lesquelles est d'ailleurs Finlay Pickering ici. Donc on va être content d'aller chercher le sommet, même si encore une fois on ne va pas basculer tout de suite. Et un petit point sur les écarts. Alors on annonce maintenant 3 minutes 20, l'écart qui se réduit. En revanche, on a à peine une trentaine de secondes entre les deux hommes en contre-attaque et le groupe principal, dans lequel on retrouve toujours les coureurs amateurs, Rémi Capron, Martin Ciotta, qui répondent à l'appel pour l'instant. Et ce groupe qui évolue à 4 minutes 15 maintenant de l'homme de tête. Homme de tête qui va bientôt franchir le sommet donc de ce col des Petites Roches, avec un garçon, Brieux Roland, qui tout à l'heure avait essayé d'accrocher la roue d'Oscar Honley, qui pour l'instant semble toujours être intercalé. Ouais, en tout cas, donc bel effort de ce coureur anglais, vainqueur, effectivement, il faut le rappeler, d'une autre épreuve classée 2.2 en UCI, qui est le Tour d'Alsace. Belle épreuve, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Aujourd'hui, donc, il montre que son talent et qu'il est capable d'aller chercher donc une grande victoire. Qu'en sera-t-il, bien entendu, le suspense demeure, heureusement d'ailleurs, pour l'intérêt de la course. En tout cas, on va assister certainement à un mano à mano entre l'homme de tête, donc le coureur anglais Finlay Pickering, et puis derrière, donc Lennart Van Elvelt, le coureur de la Lotto Destiny. Ça promet dans l'ascension du col de Porte. Je rappelle qu'il y aura 15 km donc, d'ascension pour ce dernier col classé en première catégorie. 15 km à un peu plus de 7% de moyenne. C'est le côté d'ailleurs le plus difficile, Lyon, qu'on va entamer du col de Porte, donc le côté Grenoble. Voilà, alors que l'homme de tête vient de passer la ligne blanche tracée donc au sommet de cette côte des Petites Roches. Et comme Lilian le disait tout à l'heure, et avec juste titre, sommet donc à 920 mètres d'altitude. On va monter encore jusqu'à Saint-Hilaire-du-Touvet, qui se situe à 970 mètres d'altitude. Donc on aurait presque pu tracer la ligne blanche du Grand Prix de la Montagne à Saint-Hilaire-du-Touvet. Mais Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est là où aura lieu le sprint en or. Donc on ne peut pas effectivement tout faire. Donc ce sprint en or à 42 km de l'arrivée, ça veut dire dans un peu plus de 2 km, Finlay Pickering donc traversera la localité de Saint-Hilaire-du-Touvet. Voilà le panneau effectivement indiquant les 2 km qui nous séparent encore de ce dernier sprint, le sprint en or, donc dernier d'ailleurs comptant pour ce classement de la journée. Et Pickering qui va certainement y passer en tête, de quoi aller chercher le cadeau, puisque c'est une montre qui est offerte à l'occasion de ce sprint en or. Et en revanche, pour le classement des sprints intermédiaires, il ne devrait pas y avoir de changement. Clément Carizé devrait conserver le leadership du maillot bleu. En tout cas, du côté des écarts, on nous annonce toujours 3 minutes 20. Oscar Honley bien calé dans la roue de Van Edvelt, pas de relais. Et on a vu tour à tour le directeur sportif de la DSM et maintenant le directeur sportif de la Lotto Destiny venir à hauteur de leurs coureurs pour ravitaillement, certes, mais aussi quelques consignes. Je suis curieux de savoir ce qu'on a dit à Oscar Honley, surtout parce qu'il a 55 secondes. Pour l'instant, difficile d'avoir son état de forme. C'est tellement dur ici, c'est un peu difficile d'analyser le style. Il ne prend pas de relais, mais voilà, au moment où je l'ai dit. Il nous fait mentir. Ah, mais non, regardez, Oscar. Il y va timidement. Il y va timidement. Ceci dit,
avec un écart maintenant à 2 minutes 50. Bon, je ne dirais pas qu'il y a peu d'intérêt à rouler, mais finalement, pour ces deux garçons, tout va bien pour l'instant. C'est surtout l'explication entre les deux qui va compter, parce que avec un écart à 2,50 sur Pickering, ils sont l'un et l'autre assurés de conserver leur première et deuxième position. Il faudra voir derrière si cela revient. Bon, pour l'instant, en tout cas, Pickering aborde enfin une très courte portion descendante à 43 km de l'arrivée. Voilà, alors qu'il rentre dans le dernier kilomètre avant le sprint en or. Donc, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les coureurs, là, donc, dans ces épreuves 2.2 UCI, n'ont pas d'oreillettes et que les seules informations, ce sont celles qui peuvent être données par les assistants au bord de la route ou le public, et puis surtout par les directeurs sportifs, bien sûr, qui ont la possibilité de monter donc, au niveau de leurs coureurs. D'une part pour les ravitailler, parce que c'est vrai qu'ils ont bien besoin de ces ravitaillements, sachant qu'il reste encore près de 43 km avant l'arrivée ici de l'étape à Saint-Pierre de Chartreuse. Et il est clair que les informations donc données par les directeurs sportifs sont d'une toute première importance pour les coureurs. Pickering qui ne s'effondre pas, hein, néanmoins, qui à chaque fois qu'il en a l'opportunité relance un peu, remet une dent, essaie de conserver cet avantage qui aura quand même bien fondu dans la montée des petites roches, moins de 3 minutes maintenant. En tout cas, s'il parvient tout à l'heure dans le col de porte à accrocher un petit peu à Van Helvelt et Honley, qui devrait bien revenir sur lui tout à l'heure, eh bien, il ferait déjà une belle remontée au classement général. Alors que l'on traverse des territoires effectivement qui ont été visités l'année dernière et qui seront à peu de choses près visités encore cette année sur l'Alpe Grésivaudan classique. L'occasion de vous donner deux rendez-vous la semaine prochaine. La classique des Alpes juniors, ce sera donc ce samedi pour les U19, épreuve internationale U19. Également manche de Coupe de France au moment où Pickering vient chercher la montre du sprint en or et les points et les bonifications qui vont avec. Et donc, Classique des Alpes samedi prochain et l'Alpe Grésivaudan Classique dimanche, manche de Coupe de France FDJ, épreuve internationale qui vivra sa deuxième édition. La première édition avait été remportée par la championne de France Evita Music, championne de France à l'époque, un maillot bleu, blanc, rouge qui s'imposait sur la première édition. Rendez-vous est donc donné la semaine prochaine pour ces deux épreuves. Voilà, et ce sont donc trois organisations du Cotny, hein, faut-il le rappeler. C'est le triptyque du Cotny et on souhaite beaucoup de courage donc à tous les membres de ce comité d'organisation et aux bénévoles qui effectuent un très très gros travail tout au long donc de ces trois épreuves. Voilà donc le passage à Saint-Hilaire-du-Touvel, je dirais c'est le paradis des parapentistes, bien sûr, puisque de ce plateau des Petites Roches, on peut descendre dans la vallée du Grésivaudan, dans la vallée de l'Isère, tout simplement. Et c'est vrai que ce plateau des Petites Roches est connu pour la pratique, effectivement, du parapente. Allez, 2,55, l'écart qui s'est un petit peu stabilisé. En la faveur toujours de Finney Pickering. On va essayer d'avoir d'autres informations également sur ce qu'il se passe à l'arrière hein, du côté de ce qu'il reste vraiment du peloton. Un peloton dans lequel on retrouvait toujours trois coureurs de Bourg-en-Bresse puisque Charles Page et Martin Ciotta bien placés au classement général avaient toujours le soutien de Baptiste Huyer. Rémi Capron est tout seul pour Villefranche-Beaujolais. Adam Tupalik est là. On a 4 coureurs pour la Green Project. Johannes Kulset, le 3e du classement général, était là. Taïman Grat, le 5e, là également. Jégat et Joualan étaient dans ce groupe aussi pour le CICU Nantes Atlantique qui, hier, a manqué de réussite. Hein, le CICU ouais. Nantes Atlantique, on attendait ces deux grimpeurs, Jordan Jégat et Yael Joualan. Et on n'a tout simplement pas réussi hier dans des conditions, encore une fois, difficiles. L'étape était difficile, la chaleur était extrême.
Oui, cela étant, c'est vrai qu'ils se sont illustrés grâce à Noah Isidore quand même, il faut le rappeler, qui a remporté une très très belle victoire d'étape à Fours. Et c'est sûr qu'ils ont quand même, je dirais, très largement sauvé leur Alpizer Tour, bien sûr. Voilà donc toujours ce groupe avec le maillot jaune, donc Lennart Van Eltvelt. C'est un jeune coureur belge de la Lotto Destiny qui vraiment fait un travail énorme hein, dans cette contre-attaque, on va dire, derrière l'homme de tête, le coureur britannique Finlay Pickering. Vraiment un très très gros travail du coureur belge. Oscar Henley, on le voit un peu moins quand même, c'est le coureur qui porte ce maillot blanc, donc le dossard numéro 81. Oscar Henley, lui, un coureur britannique. Et c'est étonnant, dans une étape comme cela, donc de montagne, on voit des Britanniques et des Belges finalement aux avant-postes. Mais Ouais. c'est le vélo d'aujourd'hui et. J'étais en train d'y réfléchir. Ça me rappelle il y a quelques années quand on s'étonnait de voir les Luxembourgeois également passer les cols. Mais voilà, maintenant, je crois qu'il faut aussi dire que ces équipes ont de plus en plus l'habitude des stages en altitude, des stages de montagne. Et puis, on retrouve tout simplement des coureurs de plus en plus complets. Parce que Oscar Henley, alors cela avait été anecdotique, mais je crois que c'est sur la route de Charvieux-Chavagneux le premier jour, étape toute plate, qui avait fait une sortie en contre-attaque derrière l'échappée, alors sans succès. Mais voilà, il se sentait bien ce jour-là, il avait essayé aussi, même si ce n'était pas forcément son territoire de prédilection, lui qui est relais. Et on va avoir un sacré duel, sacré mano à mano qui nous attend. On a vu déjà un petit jeu de regard entre Henley et Van Eltvelt, qui ont un point commun ce matin. Alors on ne leur en veut pas du tout, mais ils ont tous les deux squeezé l'interview d'avant-course. Lorsque j'ai voulu interviewer Lennart Van Eltvelt, il est parti tout de suite de l'autre côté. Et Oscar Henley, je lui ai demandé s'il avait 2 minutes. Il m'a dit non, je dois y aller. Bon, et ben voilà, on était concentrés sur la guerre qui allait se produire et la guerre qui se confirme ici avec ces deux hommes. Oui, tout à fait, oui. C'est peut-être effectivement je dirais une information, je dirais subalterne, mais c'est sûr qu'ils étaient certainement concentrés déjà sur le sujet. Cette étape, donc, elle faisait peur à beaucoup de coureurs. Et moi, j'ai le souvenir de départ de Paris-Roubaix, notamment à Compiègne, où on voit les coureurs qui refusent de parler, qui refusent les interviews. Ils ont, comme on dit, le masque, parce qu'ils savent qu'ils vont vivre une sacrée journée. Peut-être que ces deux hommes-là avaient ce même état d'esprit, en se disant finalement, on va éviter de se disperser, on va éviter de trop en dire, et on va se concentrer sur cette étape. C'est l'étape reine, hein, quand même, de l'Alpizer Tour, une étape. Il faut le rappeler, hein, avec un dénivelé positif de 4 530 mètres, on se rapproche des plus grandes étapes, des plus grandes courses d'ailleurs Pro Tour. Et c'est vrai que pour des jeunes coureurs quand même, parce que ce sont des jeunes coureurs, ça peut effectivement faire peur et ça peut être une explication plausible en tout cas. Mais on ne leur en veut pas, Lilian, hein, franchement. Absolument pas. Et puis on sait aussi, malheureusement, et ça a été le cas sur le Tour d'Italie, que la menace du Covid règne également sur le peloton. Donc pas étonnant effectivement de voir les coureurs qui peut-être se protègent un petit peu dans ce contexte-là. En tout cas, il y en a un qui a bien voulu nous répondre ce matin et qui était assez ambitieux. Il avait le sourire. C'est Brieux-Rolland qui est 11e du classement général. Et je regardais, puisqu'il est toujours intercalé, il est en 4e position. Pickering est tout seul devant. On a Van Eltvelt et Henley derrière. Et Brieux-Rolland qui est toujours intercalé à 3 minutes 35 maintenant. On va écouter ce qu'il nous disait de cette étape, justement, au départ ce matin de Saint-Thibaud-de-Coux. Une étape pour costaud, c'était une étape pour Renfort. Tu te sens comment aujourd'hui? Comment t'as récupéré? Bah ouais, là je me sens bien ce matin, ça va. Après aujourd'hui ça va être très long, je pense que tous les coureurs ont plus ou moins des phases hautes et basses, donc il va falloir bien gérer son effort, l'alimentation, pas s'emballer je pense, et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, parce que quel va être l'objectif? C'est le top 10, c'est un peu mieux, c'est essayer d'aller prendre une échappée, une victoire d'étape pour l'un de tes camarades également.
Ouais, bah c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai envie de gagner. Après, voilà, j'ai vu hier que le niveau était très élevé. Donc, intégrer le top 10, ouais, c'est, on va dire, un petit objectif. Maintenant, j'ai envie de remonter, pourquoi pas, plus de places. Donc, on verra bien ce que propose la journée d'aujourd'hui. Voilà, il était 11e ce matin. Il rêve d'un top 5. Il rêve peut-être de mieux. Ça va être compliqué d'aller chercher le podium, mais pour le top 5, tout est jouable. Hein, pour Brio-Roland, qui fait une étape remarquable, s'il parvient à continuer sur cette lancée, notamment tout à l'heure dans le col de porte, puisque pour l'instant, dans cette situation, on va essayer de reprendre dès le début. Vous le voyez, on a énormément d'évolutions. On essaie de suivre les écarts aux différents échelons de la course. En tout cas, Finlay Pickering est toujours en tête. Jusque-là, pas de problème. On a un écart de 2 minutes 40. C'est celui qui s'affiche pour les deux hommes que vous voyez ici à l'image, Oscar Honnelly et Lennart Van Etvelt dans cette portion descendante. 2 minutes 40 de retard sur l'homme de tête à 3 minutes 30. On retrouve maintenant un duo. Brio-Roland a vu revenir dans son sillage Yael Joualan du CICU Nantes Atlantique. 3 minutes 30 de retard alors que l'on retrouve à 4 minutes 10. Donc Alessandro Pinarello et Johannes Kulseth. Donc Johannes Kulseth, le troisième du classement général, c'est lui qui pourrait être menacé tout à l'heure par Brio-Roland éventuellement, puisqu'ils sont séparés de moins d'une minute, 57 secondes exactement. Et en revanche, pas de nouvelles d'Alessio Martinelli côté Green Project, l'Italien qui est quatrième du classement général. À 1 minute 22 hein, seulement du maillot jaune. On l'avait vu d'ailleurs dans des ascensions précédentes, le coureur italien, donc Alessio Martinelli, et je pense qu'il est sorti des écrans radars. Voilà, donc belle partie de manivelle en tout cas, hein, du maillot jaune et du maillot blanc à la poursuite de l'homme de tête, donc Finlay Pickering, qui est lui dans la descente maintenant en direction de cette vallée du Grésivaudan. Descente extrêmement rapide pour le coureur britannique. Alors qu'au niveau de cette étape longue de 161 km, faut-il le rappeler, nous sommes allés chercher la côte de Montagnol. C'était un petit clin d'œil, bien sûr, du comité d'organisation aux organisateurs des championnats du monde de cyclisme remportés à l'époque par le coureur américain Greg LeMond. C'est vrai que cette côte de Montagnol, elle est tout près de Chambéry, là aussi siège d'AG2R Citroën. Et c'était aussi là, je pense, un clin d'œil, bien sûr, au comité d'organisation donc pour cette formation AG2R Citroën qui est au sein de ce peloton. Autre petite info donc pour les passionnés de vélo et les historiens, on va dire, on va traverser Saint-Imier dans quelques kilomètres. Lyon, c'est la patrie de Bernard Thévenet. Bernard Thévenet qui sera peut-être d'ailleurs au bord de la route, qui a souhaité hier bon vent et bonne route à tout ce comité d'organisation. Lui qui, dans quelques jours, donc, aura en charge, bien sûr, l'organisation du critérium du Dauphiné, puisqu'il en est le directeur. Et enfin, un petit peu de répit donc, pour ces coureurs dans cette descente. Descente large, avec quelques courbes, mais pour l'instant, pas de grande technicité. On peut descendre de façon sereine, tout en restant lucide hein, pour... ses coureurs, pas de souci ici pour Finlay Pickering qui l'aborde tout seul. Route sèche pour redescendre dans la vallée. Oui, ça c'est une information importante. C'est vrai qu'on a eu un orage sur les contreforts de ce massif de Chartreuse. C'est un massif qui est très verdoyant, la Chartreuse. Et effectivement, qui dit massif verdoyant, dit quelquefois, bien entendu, massif où on doit essuyer des orages. Mais bon, c'est le charme, effectivement, de la Chartreuse et qui en rend donc cet aspect très, très, très verdoyant. Alors, l'écart qui nous est communiqué à 2,15 maintenant, ça veut dire que Van Etvelt et Honnelly font la descente à bloc hein, pour essayer de revenir, mine de rien, à l'avant. À mon avis, ils vont le revoir, là, le Finlay Pickering, dans les contreforts de ce col de porte. Je pense que ça va effectivement nous promettre une belle bagarre. Hein, mais
Pour l'instant, le maillot jaune fait plus que se défendre, hein, c'est évident, puisqu'il faut rappeler que Finlay Pinkrick, le coureur anglais de la Trinity Racing, était au départ de l'étape 14e à 3 minutes et 38 secondes. Donc on va effectivement rappeler que Lennart Van Etveld de 526, le leader de la Lotto Destiny, donc le maillot jaune, fait effectivement une très très bonne opération actuellement, même en emmenant, donc, en emmenant dans la roue un maillot blanc, le maillot des jeunes, des moins de 23 ans, qui est Oscar Honley, le coureur anglais de la DSM. La première et deuxième du classement général et du classement des jeunes. Donc l'un porte le maillot jaune, l'autre le blanc. Et on descend à plus de 70 km/h. Vous l'avez vu sur le compteur de la moto. Voilà, on n'est vraiment pas sur des descentes trop techniques. On peut aller vite. J'espère qu'il n'y a pas de radar dans cette zone à 70 parce que... C'est une vitesse limitée, effectivement. En tout cas, on aperçoit, Lilian, donc, la vallée de l'Isère et cette plaine donc, qu'on appelle la plaine du Grésivaudan. Ça veut dire que les coureurs, donc, 95 km/h, nous signale-t-on actuellement donc, pour l'homme de tête. Du donc, côté des motards qui suivent la course et qui voient le compteur s'affoler un petit peu. Ouais, et les radars aussi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Franchement, bravo à ces coureurs. Et c'est vrai qu'ils n'en ont pas fini avec cette étape, hein, puisqu'il restera, donc, lorsqu'on traversera Saint-Imier, 30 km encore, dont 15 km d'ascension du col de Porte. C'est dire que... Il leur reste, disons, un beau tableau de chasse pour rejoindre la ligne d'arrivée ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Entre parenthèses, on va en profiter pour tirer un grand coup de chapeau aux organisateurs de cette commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, parce qu'il y avait énormément d'animation sur le thème du vélo, Lilian, et on a trouvé ça, je crois, très, très sympathique, notamment permettre à des jeunes enfants de découvrir toutes les facettes du vélo, tous les univers du vélo notamment. C'est une belle initiative que les organisateurs ont pu mettre en place ici sur le plateau d'arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et on sait que c'est l'une des volontés, hein, bien sûr, du département de l'Isère, partenaire titre de l'Alpes-Isère Tour, et bien de se servir aussi de cette épreuve pour initier à la pratique du cyclisme, pour vivre au rythme du sport, au rythme des mobilités douces également. On sait que le vol réunit de nombreux enjeux aujourd'hui. Donc, pour l'instant, en tout cas, la ligne d'arrivée vit. Elle a vécu même avant qu'on arrive, puisque les coureurs sont passés une première fois en début d'étape dans l'ascension du col du Cucheron. Et ici, dans la traversée de Saint-Imier, eh bien, l'écart semble se confirmer à 2 minutes 15 alors que l'on aborde les 30 derniers kilomètres de cette 32e édition. Voilà, tout à fait. Et pour en terminer, j'allais dire, avec toutes ces animations, on peut aussi saluer le travail de la Fédération française de cyclisme et du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui avait un stand donc permettant à des jeunes enfants de découvrir donc toutes les joies du vélo. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, et on a parlé à Lilian et moi, donc, de toutes les facettes et de la diversification qui est proposée aux jeunes garçons et filles. Et c'est tant mieux finalement, parce qu'il n'y a pas que le vélo de route dans le vélo, il y a tout un tas d'autres univers. Et c'est je dirais, une excellente chose aujourd'hui. Voilà, donc toujours... Finlay Pinkrick, le coureur anglais. On va saluer aussi donc, les dessinateurs des maillots de la Trinity, hein, parce qu'ils ont un très très beau design, ces maillots. Et c'est des maillots qu'on reconnaît dans l'univers du cyclisme professionnel. Et on les voit de très loin. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on fait beaucoup de recherche sur les vêtements cyclistes. Ça aussi, c'est une belle chose. On se retourne du côté d'Oscar Honley. On est un peu impatient, où on essaye simplement donc de faire le point, peut-être voire même d'appeler sa voiture de direction sportive. C'est vrai que
On a vu beaucoup donc le directeur sportif de la Trinity, on a vu celui de Lennart Van Etvelt, le directeur sportif de la Lotto Destiny. Ces coureurs, effectivement, ils ont besoin d'être accompagnés, notamment dans les 30 derniers kilomètres de cette étape que nous allons vivre ensemble. Oui, besoin de consignes, de réconfort, d'écart. Alors même nous, on a du mal à avoir les écarts à tous les échelons de la course. 2 minutes 10, c'est l'écart en tout cas qui sépare l'homme de tête de ses deux poursuivants. Mais derrière, on peut imaginer que pour Brio Roland et Yael Joualan, on a dû faire une descente à tombeaux ouverts également pour essayer de réduire l'écart sur les deux hommes en contre-attaque. Et dans cette portion de vallée, eh bien, il faut reprendre le coup de pédale avec un braquet plus important. Retrouver de la vitesse, c'est des enchaînements qui sont particulièrement difficiles. Hein. Quand vous avez une descente où on s'arrête un petit peu de pédaler, où on récupère, on essaie plutôt d'aborder une position aéro et qu'il faut reprendre le rythme du pédalage derrière, surtout sur ces portions en ligne droite, eh bien, c'est là que ça commence à brûler. Et bientôt, eh bien, on remettra le petit plateau pour le col de porte qui se dressera devant les coureurs. À la sortie de Montbonneau-Saint-Vincent tout à l'heure. Oui, c'est vers Montbonneau, effectivement. Donc, Montbonneau-Mélan. Donc là, les premiers contreforts, ça va faire très mal hein, pour les coureurs qui, effectivement, donc, sur ces longues portions de ligne droite, roulent, on va dire, tout à droite. Et qui vont devoir donc changer rapidement effectivement de braquet et s'adapter à une nouvelle situation. Et il faut effectivement gérer ce contexte nouveau et notamment l'ascension donc des 15 derniers kilomètres de ce première catégorie qui est le col de porte. C'est vrai que là, on est dans un autre domaine, dans un autre univers pour tous les coureurs qui veulent en terminer avec cette course, bien sûr. L'écart de 10, hein, actuellement. De 10, on va boucler la quatrième heure de course bientôt et aborder donc le dernier monstre de cette étape, alors que nous parvient un point complet sur les écarts, alors complet du moins du côté des favoris, puisque l'écart est confirmé à 2,10 pour les deux hommes ici à l'image. Et derrière, on n'est qu'à 2,50 pour Brio Roland et Yael Joualan, toujours associés. Alessandro Pinarello et Johannes Kulseth sont à 3 minutes 30. Donc pour l'instant, celui qui fait une très très bonne opération, c'est Brio Roland, qui est en train de revenir peut-être même sur le podium. Il faudra voir comment Finley Pickering termine cette étape, s'il ne s'effondre pas dans le final. Et on va avoir deux matchs hein, avec la victoire à jouer entre Van Etvelt et Honley. Et puis la place restante sur le podium avec plusieurs prétendants. Avec Finley Pickering ici à l'avant de la course. Brio Roland qui est parti 11e du classement et qui pourrait bien remonter au moins jusqu'au top 5. Et Johannes Kulseth qui se sent un petit peu en sursis également avec sa troisième place. Brio Roland, donc, qui est l'un des leaders de la Groupama, hein, de la Groupama FDJ. Équipe qui accueillait d'ailleurs Finney Pickering l'année dernière. Exactement. Finney Pickering qui avait connu la Groupama FDJ avant de se tourner, de revenir au bercail, finalement, revenir chez les Britanniques avec la Trinity. On va donner quelques nouvelles, on va dire des nouvelles d'ailleurs rassurantes d'un autre coureur de la Groupama FDJ qui a dû quitter la course hier, c'est Joshua Gaulucker, victime d'une terrible chute dans la descente du col du Petit Mont Noir massif du Vercors. Hier, il est passé par-dessus le parapet, il a été effectivement transporté à l'hôpital et c'est vrai que Joshua Gaulucker, victime d'un petit malaise hier soir, va beaucoup mieux et c'est tant mieux pour toute l'équipe Groupama, ça c'est une bonne chose. Je crois que c'était un petit peu plus tard celle de Gaulucker, mais c'est vrai qu'on a trois coureurs qui avaient été vraiment victimes d'une chute un peu plus tôt. Et Gaulucker, effectivement, alors qu'on avait dans un premier temps vu se relever, on s'était dit c'est pas grave. Et puis finalement à l'arrivée, il était bien,
bien marqué finalement par cette chute. Donc voilà, des nouvelles rassurantes de quelques coureurs. C'est le cyclisme et on le voit et c'est vrai qu'on n'est jamais très serein lorsqu'on les suit dans la descente, de voir à quel point on prend des risques parfois. Et puis parfois même sans prendre de risques, eh bien ça ne veut pas, on part à la faute par petit manque de lucidité. Bon, pour l'instant c'est passé, il n'y aura plus beaucoup de descentes, il faudra quand même maîtriser celle du col de Porte tout à l'heure qui ramènera les coureurs à l'entrée de Saint-Pierre de Chartreuse avant la montée finale. 1,55 hein, seulement, hein. L'écart vient de passer sous la barre des 2 minutes pour l'homme de tête qui entame le dernier élément du triptyque de Chartreuse. Vous savez que le massif de la Chartreuse, donc du sud au nord, c'est le col de Porte, le Cucheron au milieu et le col du Granier enfin le plus au nord. Ce triptyque qui a été emprunté à moult reprises par les grandes épreuves que sont le Tour de France, Critérium du Dauphiné à l'époque, Dauphiné libéré et aujourd'hui Critérium du Dauphiné tout court. C'est vrai que ce sont vraiment des cols très connus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est vrai que ces cols, même s'ils ne sont pas au-delà de 2000 mètres d'altitude, et loin s'en faut, bien sûr, sont déjà des cols de référence. On va rappeler donc que le col de Porte se situe à 1325 mètres d'altitude, alors que les coureurs l'entament du côté de Montbonneau à 300 mètres d'altitude. Donc un dénivelé positif de 1000 mètres hein, sur le seul col de Porte. C'est pas mal, là, finalement, Lilian, pour finir une étape de 162 km. Oui, et puis derrière, cela aura son importance aussi. La dernière rampe qui est assez terrible également dans les rues de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Alors on arrive lancé hein, à l'issue du col de Porte et puis après il y a encore 700-800 mètres où il faut en remettre une. Un final que l'on attend avec impatience donc à Saint-Pierre-de-Chartreuse et on va entendre ce qu'en pensait justement Anne Lenfant, présidente de la communauté de communes du cœur de Chartreuse. Bonjour, bonjour Mathéo. Bonjour. On est ici au col du Cucheron, sur la commune à cheval entre Saint-Pierre-d'Entremont et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ce col qui sera parcouru par les cyclistes de l'Alpe-Isère Tour cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, qui est un col discret qui s'ouvre sur un paysage magnifique sur la vallée des Entremonts, les hauts plateaux de Chartreuse et le col du Granier que nous voyons là-bas au fond. Il avait déjà été parcouru l'année passée par l'Alpe-Isère Tour et de nouveau cette année, puisque c'est un col intéressant qui permet de rebasculer sur Chambéry ou sur Chaparayan. Le col du Cucheron, quant à lui, est aussi un col qui peut être destiné aux sportifs, mais qui peut être très très bien adapté aux familles ou aux sportifs un petit peu moins aguerris. Le col du Cucheron, comme le col du Granier, on les avait parcourus l'année dernière lors de la dernière étape de l'Alpe-Isère Tour. Ça avait roulé vite pour prendre l'échappée. Ça m'a rappelé des bons souvenirs parce que c'est mes routes d'entraînement depuis que je suis jeune et ça passe juste devant ma maison. L'année passée c'était un beau parcours mais cette année aussi c'est encore un très beau parcours qui va permettre aux montagnards de se différencier parce que c'est un parcours très, très physique hein, encore avec ce col du Cucheron, le col du Granier mais d'autres cols aussi qui va permettre de découvrir la Chartreuse par ses flancs aussi bien est que ouest et par son cœur. La communauté de communes Cœur de Chartreuse donc, qui accueille cette cinquième étape et qui en est très fière et très heureuse souhaite offrir du vélo à 360 degrés et développe toujours des projets qui concernent en particulier la mobilité à destination des plus précaires aussi en termes de mobilité par d'un dispositif qu'on appelle vélo solidaire. On a aussi un axe sur le vélo avec les scolaires, le défi vélo qui permet à des scolaires de se rendre en vélo sur un temps donné en fait de leur domicile à l'école. C'est très important de développer le vélo auprès des jeunes et de tout le monde parce qu'on connaît les risques de la route avec les voitures et les usagers de la route. Donc c'est important de sensibiliser tout le monde. Moi j'ai parlé de mon souvenir mais je sais pas toi si tu as un souvenir en particulier de la Chartreuse à vélo. Moi, je vais te faire part de mon ressenti en tant que passagère dans la voiture du directeur de course sur la descente du col de Coq, qui était assez particulière, 90 à l'heure dans les virages. J'avoue que j'étais un petit peu scotché au siège, mais c'était très très intéressant et en tout cas, c'est une expérience à vivre. Et merci aux cyclistes parce que vous nous offrez un beau spectacle à travers la Chartreuse pour cette cinquième étape
magnifique. Et bon courage à vous tous, parce que vraiment, ce sera une étape difficile. Oui, il en faut. Voilà les mots d'Anne Lenfant, présidente de la communauté de communes Cœur de Chartreuse, qui, le jour de l'interview, était accompagnée de Mathéo Wallard, l'un des locaux qui avait couru et animé les routes l'année dernière de l'Alpizère Tour, avant de rejoindre les rangs du CC Etup, qui n'est pas présent sur cette épreuve. Mais voilà, Mathéo qui continue sa marche en avant dans une autre équipe de National 1. Oui, tout à fait, et qui doit de mémoire habiter la vallée des Entremonts. Donc c'est vraiment un des, je dirais, des régionaux de cette étape, mais si, même s'il ne participe pas à ce tour, ce qui est d'ailleurs fort regrettable parce que c'est un excellent coureur. Et l'année dernière, effectivement, il s'était illustré dans la 31e édition de l'Alpizère Tour. Voilà, donc nous sommes très certainement, à défaut d'image, dans l'ascension toujours, bien sûr, de ce col de porte. Alors, quelques infos techniques, hein, puisque cette retransmission passe par le réseau 4G. Et voilà, certaines portions du parcours ne nous permettent pas d'avoir les images. Mais on revient avec Finlay Pickering, justement. L'homme de tête pour la Trinity Racing, c'est 1,45 au dernier pointage sur Van Edvelt et Honley. Brieux Roland et Yael Joualan sont à 2,25. Alessandro Pinarello pour la Green Project et Johannes Kulset pour la formation InnoX sont relégués à 3,15. Donc la bonne opération du jour pour l'instant, elle est pour Finlay Pickering et Brieux Roland. Et du côté du podium, pour Johannes Kulset, il ne faudra pas s'endormir dans ce col de porte pour essayer de conserver la troisième place. Oui, je dirais que la course, elle va, à mon avis, se terminer au sommet du col de porte, finalement, non. Ce n'est pas ton avis, Lilian ? On peut l'imaginer, même si derrière, il faudra maîtriser la descente. Les écarts restent faibles, hein, notamment pour le podium. Donc, il ne faudra pas s'endormir non plus dans la descente, pas prendre de risques à considérer. Attention, ne pas partir à la faute dans le final. Alors que Oscar Honley a l'air, je dis bien, a l'air un petit peu en difficulté ici dans les premières rampes du col de porte avec Lennart Van Edvelt qui caresse la pédale pour l'instant et qui va peut-être partir tout seul à la poursuite de Finlay Pickering qui lui commence à sérieusement tirer la langue et on l'imagine forcément la douleur dans les jambes après tout ce bout de chemin parcouru à l'avant, parti tout à l'heure dès les premières rampes du col du Cucheron. Et Honley, Oscar Honley est en train de craquer à mon avis, hein. Franchement, il s'envoie, le coureur britannique de SAR 81, donc le leader de la team DSM Maillot Blanc, souffre terriblement, hein, dans les roues de Lennart Van Edvelt, le Belge maillot jaune de la Lotto Destiny. Et c'est vrai qu'on voit là les mètres qui maintenant s'accumulent les uns aux autres et l'écart est en train de se creuser entre Lennart Van Edvelt et Oscar Honley. C'est irrésistible ça dans une ascension comme celle-là, une très très longue ascension. Comme le disait donc Lilian Couillet tout à l'heure et à juste titre, effectivement, il faudra maîtriser cette descente, une descente donc de 9,5 km, et ça n'est pas rien. C'est vrai que c'est une descente qui est extrêmement rapide, puisque du sommet à 1325 mètres d'altitude, on va descendre sur Saint-Pierre de Chartreuse à un peu plus de 880 mètres d'altitude. Donc, c'est vrai qu'il y a du dénivelé. C'est vrai que cette descente, il faudra effectivement la maîtriser alors que nous sortons de Mélan pour les deux hommes en contre-attaque. Et qu'Oscar Honley regarde derrière. Ce n'est jamais bon signe. Essayer de voir s'il peut avoir du renfort de l'arrière. Sauf que là, pour l'instant, c'est plutôt essayer de limiter la caisse sur Finlay Pickering, sur Lennart Van Edvelt, pardon, hein, qui est l'enjeu pour Oscar Honley. On a compris qu'on n'irait plus détrôner le Belge actuellement maillot jaune. Du moins, ça s'annonce difficile. Mais Finlay Pickering, lui, qui continue, en tout cas, ça marche en avant. Alors qu'on nous signale la chute du leader du Vélocup de Villefranche-Beaujolais, Rémi Capron, donc dans la descente sous un tunnel, vraisemblablement. Donc ça devait être la descente de la côte des Petites Roches et ça devait être le tunnel de Saint-Pancras, à mon avis. Souhaitons que le leader de Villefranche-Beaujolais, effectivement, n'ait pas de gros dégâts. En tout cas,
La crainte, c'est effectivement le risque de fracture dans ce genre de chute malencontreuse, bien sûr. Tunnel de Saint-Pancras, je rappelle, c'était au 125e kilomètre. Là, nous sommes dans l'ascension du col de Porte. On a encore une dizaine de kilomètres. Hein, 21 kilomètres, voilà. À parcourir dans cette ascension avant la descente sur Saint-Pierre de Chartreuse. Et seulement une minute d'écart entre Pickering et Van Etvelt. Oui, et les écarts qui fondent. Comme la neige qu'on a vue tout à l'heure lors de l'interview d'Anne Lenfant, présidente de cette Comcom du cœur de Chartreuse. Disons qu'Oscar Onlay... On a donné l'ordre de ne plus être intercalé maintenant, c'est toujours un signe important. Et Lennart Van Etvelt, donc, qui est intercalé entre Onlay et Pickering, à une dizaine de kilomètres du sommet. Et on va essayer d'avoir l'écart également avec l'arrière, avec Brio Roland, qui était toujours accompagné de Yael Joalan. Lui aussi pourra faire une remontée au classement général. Alors que du côté de Finlay Pickering, on verra s'il ne s'effondre pas. On peut encore aller jouer le podium. On n'a pas la position exacte de Johannes Kulseth, le Norvégien qui est troisième de ce classement à 1,19. Alors que vous retrouvez les images des installations d'arrivée. En tout cas, Lilian, il doit y en avoir sur tous les mètres du col de Porte, hein, des coureurs. Franchement, ça doit être relativement impressionnant parce que cette avant-dernière ascension qui est celle de Porte est vraiment, vraiment difficile. Longue ascension, je rappelle donc que c'est 15 km à 7% et nous sommes à un peu plus de 20 km du sommet. Donc ça veut dire qu'il reste encore 10 km pour connaître et franchir le sommet de Porte. Et Oscar Onlay qui n'a pas rendu les armes, hein, on le disait, pour l'instant, qui plafonne un petit peu, mais on sent que tout le monde est à bout après 4 grosses journées de compétition. C'est la cinquième, Van Etvelt qui se retourne. Alors l'écart lui sur Pickering est en train de fondre un petit peu. 45 secondes, arrivée 20 km et sommet 10 km encore hein, à tenir. Pickering qui va certainement voir revenir dans son sillage Van Etvelt et Onlay. Et à tous les échelons, on regarde derrière. Finlay qui regarde où est Van Etvelt, Van Etvelt qui regarde où est Onlay. Onlay regarde s'il peut avoir du renfort de l'arrière. Ouais, en tout cas, déjà 140 km d'échappée pour Finlay Pickering. Donc, je pense que ça se passe de commentaires. Hein, c'est une étape de cette importance-là. Il mériterait de pouvoir remporter la victoire ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse, mais ça c'est un autre débat. Et là aussi, donc, on voit le Britannique, le coureur britannique se retourner souvent pour faire le point, peut-être apercevoir donc le maillot jaune, Lennart Van Etvelt, le coureur belge, qui n'est plus qu'à 35 secondes maintenant. 35 secondes, hein, on l'a vu au panneau 20 km, effectivement. Je crois que les 40 n'y étaient plus. On nous annonce maintenant 35, mais je crois que dans quelques instants, si la caméra se retourne, on devrait commencer à apercevoir les mèches blondes et le maillot jaune de Lennart Van Etvelt. Avec en tout cas, Finlay Pickering qui essaie de garder son rythme. Oscar Onlay assis sur la selle, Lennart Van Etvelt qui relance un petit peu plus régulièrement. Voilà, ils aperçoivent vraiment devant. Mais en tout cas, n'est pas bouché encore. Oscar Onlay résiste quand même, Lilian. Franchement, il fait de la résistance actuellement. Hein, dans un plateau très relevé et disons dans une étape, une véritable étape de montagne. Je trouve qu'il est vraiment... étonnant. Voilà, on aperçoit sur cette vue Pickering qui sort le souffle de Van Etvelt. On va retrouver trois des hommes forts, trois des favoris qu'on avait cités avant le départ. Van Etvelt, Onlay, Pickering. Et bien voilà, ce n'est pas une surprise de les retrouver, mais reste à voir maintenant quel sera le dénouement. Même si pour l'instant Van Etvelt semble le plus fort. Attention encore une fois à pas trop en faire. Il reste 10 km à parcourir. Et Onlay chose... revient. Oui, Onlay, j'allais dire, n'a pas dit son dernier mot.
Et Honley revient à la pédale, comme on dit. C'est vrai que Oscar Honley est surprenant de résistance. On dirait que la route est légèrement mouillée, la route de Col de Porte. Là aussi, donc... On va raviver les souvenirs du Critérium du Dauphiné, mm-hmm. puisqu'il était arrivé au sommet en 2020. Il a un Dauphiné particulier, puisque ça avait été après les interruptions du sport mondial à cause de la pandémie de Covid-19. On avait retrouvé le Critérium du Dauphiné au début du mois d'août. Et on avait eu cette arrivée au Col de Porte remportée par Primoz Roglic. Et on se souvient des images de la grêle qui s'abat sur les coureurs. Les premiers étaient passés outre. Mais les autres coureurs, on avait pris un gros orage. Alors on espère que ce ne sera pas le même destin pour les coureurs aujourd'hui. Mais c'est vrai, la route est mouillée. Il doit faire un petit peu plus frais sur la route de l'Alpe Isère Tour maintenant. Tant mieux pour les coureurs si cela reste ainsi en tout cas. Mais attention à la descente tout à l'heure si la route est mouillée. Et la jonction est imminente hein, entre le maillot jaune donc, et l'homme de tête. En tête, je le rappelle, depuis plus de 140 km, il avait compté un peu plus de 5 minutes d'avance. Vous voyez que tout est à refaire dans cette étape. Et Oscar Honley est revenu, lui aussi, sur le maillot jaune. Donc, on risque de retrouver trois hommes en tête de course. Peut-être pas pour très longtemps, bien sûr. Mais on va voir l'attitude là, du maillot jaune. Est-ce qu'effectivement, il va laisser sur place Finlay Pickering ouais, ou et Honley est là. Hein. Honley est là, il revient à deux sur Pickering. Voilà, les trois hommes forts. Van Etvelt, la petite poignée, la petite tape dans le dos à Pickering. Ça, c'est très classe. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit au passage. Mais, ouais. En tout cas, il lui a adressé des félicitations, c'est certain. Vraiment, c'est un très beau geste la part du maillot jaune. Par contre, c'est un coup de massue, j'ai l'impression, pour Pickering, parce qu'il n'arrive même pas à prendre la roue. Sacrée journée pour Finlay Pickering, qui soupire un petit peu, mais il ne faut pas lâcher les armes maintenant, parce qu'on a l'opportunité de jouer le podium encore pour le Britannique de la Trinity. Mais ici, cela semble difficile maintenant, à 9 km du sommet. La relance de Van Etvelt et Honley, on va retrouver... Donc une explication entre les deux patrons de l'Alpe Isère Tour, le Britannique Oscar Honley et le Belge Nerd Van Etvelt. Alors que Yael Joualan est intercalé maintenant tout seul, Brio Roland un petit peu en difficulté. Donc pour le podium, le suspense maintenant, c'est peut-être entre Finlay Pickering et Johannes Kulseth, dont on n'a pas exactement la position, qui avait un petit peu de marge. Mais Finlay Pickering, s'il ne s'effondre pas, pourrait bien aller jouer le podium. En tout cas, pas de surprise. On retrouve maintenant en tête le leader, le maillot jaune, le deuxième du général, Oscar Honley, qui n'était au départ de l'étape à Saint-Thibaud-de-Coux à 55 secondes du maillot jaune. Donc, je crois que là, effectivement, ça se passe de commentaires. On retrouve les deux hommes forts de cet Alpe Isère Tour en tête de course. Chapeau, en tout cas, à ces deux coureurs. Mais chapeau bien sûr aussi au Britannique Finlay Pickering. Donc avec plus de 140 km d'échappée aujourd'hui, il est l'homme de cette étape, ou l'un des hommes de cette étape. Et on le rappelle, hein, ce classement général, donc Lennart Van Etvelt et Oscar Honley séparés de 55 secondes. Ils sont à l'avant de la course, Kulseth est plus loin et pourrait être éjecté de ce podium. Alors par Finlay Pickering, peut-être par Brio Roland. Et du côté de Yael Joualan, je recherche l'écart au général, 4,54, il était un peu loin. Dure journée hier pour les coureurs du CICU Nantes-Atlantique. On va peut-être faire une belle étape aujourd'hui pour Yael, mais le retard accumulé hier est peut-être un petit peu trop important pour espérer aujourd'hui un podium, même si les écarts peuvent être tout aussi importants dans le col de porte. Oui, difficile et longue ascension. Nous sommes à 18 km de la ligne d'arrivée ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ça veut dire qu'il reste encore 8 km d'ascension, finalement. C'est pas rien. C'est pas rien parce que c'est vrai que si on cumule les kilomètres d'ascension qui étaient aujourd'hui proposés aux coureurs, on doit approcher, à mon avis, les 45 km. C'est une véritable étape de montagne. Et on retrouve donc... en tête de course, un coureur belge et
un coureur britannique. Sur des portions un petit peu plus roulantes. Ici, on a vu la relance. Et Oscar Ennelé, pour l'instant, qui s'accroche. On a l'impression qu'il ne peut pas faire beaucoup plus. Et je viens de cumuler donc les liants, les kilomètres d'ascension. Donc au sommet de Porte, ils auront 57 kilomètres d'ascension cumulés. Plus d'un tiers de l'étape. 57 kilomètres. Et on ne parle que des ascensions répertoriées encore une fois. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est vrai qu'il y en avait quelques-unes non répertoriées, mais vraiment ça va compter. Et cette étape marquera effectivement les esprits, tant au niveau des coureurs que, bien entendu, des suiveurs et des organisateurs. Voilà, Oscar Ennelé qui vient de prendre carrément le relais. Oui, c'est... que lui proposait le maillot jaune Lennart Van Tellevelt. C'est finalement étonnant. Et je regardais du côté des points. Combien de points seront attribués pour l'arrivée finale, Jean-Claude ? Est-ce que tu as cette information ? La côte de Saint-Pierre-de-Chartreuse, on sait que c'est 10 points pour un col de première catégorie, donc au sommet du col de Porte. Et pour... Oui, et Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc c'est un troisième catégorie, donc c'est 6 points, 4 points, 2 points et 1 point. Les 4 premiers coureurs donc marqueront des points pour le classement du meilleur grimpeur. Hein. Troisième catégorie, les 4 premiers marquent des points. Au classement par points maillot vert, 25, 20 points, 16 points, 14 points. Donc voilà les points qui sont attribués à l'arrivée des étapes pour... le classement individuel, bien sûr, au point. Et puis, à chacune des quatre étapes, Lilian, il y a des bonifications. 10, 6, 4 pour les trois premiers donc, de ces quatre étapes. Alors qu'ici, on a... Yael Joualan qui fait une superbe montée là aujourd'hui. Ouais. Et qui est déjà en train de revenir sur Finlay Pickering, sur ses portions plus roulantes. Il semblait le plus puissant. C'est intéressant parce que si l'on s'observe un petit peu entre Van Nesvelt et Ennelé, bon, ce qui pour l'instant est peu le cas, hein. On continue de relayer. Mais surpuissant, là, Joualan, qui ouais, est retrouvé aujourd'hui. Étonnant, on dirait qu'il a retrouvé une seconde forme. Là, il suffit de l'arroser un coup, petit orage, et c'est reparti de plus belle pour le corps du CICU Nantes-Atlantique, qui va déposer, à mon avis, fini Pickering. On n'a pas l'impression qu'il est dans une ascension aussi dure que le col de Porte. Alors, là, il survole la situation. Il est 20e au général, je crois, un peu plus de... 4 minutes 50. 4,54, c'est ça ? 4,54, ça veut dire 3,30 sur le podium. Ah, il peut faire un joli rapproché à l'arrivée donc de l'étape ici. C'est vrai qu'il est déchaîné. Le voilà qui double. On a vu l'image au ralenti de Pickering vraiment arrêté sur le bord de la route. Ouais. Finlay Pickering qui n'ira pas chercher le podium, du coup, a priori. Mais est-ce que Yael Joualan peut le faire ? Ce serait un sacré finish et cela viendrait concrétiser en tout cas un bel Alpizer Tour pour le CICU Nantes Atlantique. En tout cas, oui, Finlay Pickering, il est collé à la route actuellement. Hein. C'est vrai qu'il risque d'avoir un débours relativement important. Et ici, à l'arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse, il est clair qu'on perd des minutes comme ça en quelques kilomètres, alors que les deux hommes de tête viennent liant de passer le panneau des 7 derniers kilomètres. Non pas, bien sûr, de l'étape, mais les 7 derniers kilomètres de l'ascension du col de Porte. Donc il reste encore un bon petit morceau, alors que je regardais, en fait, ce qui est assez terrible pour Finlay Pickering, c'est que si Van Nesvelt passe en tête au col de Porte et gagne l'étape, il vient prendre le maillot de meilleur grimpeur. Alors ça fait beaucoup de si, mais il y a 16 points d'écart. Alors il faudra aussi que Pickering ne marque plus rien. Là il y a 16 points d'écart. Si Lennart Van Nesvelt prend tout et que Finlay Pickering ne prend plus rien, il est également dépossédé du maillot de meilleur grimpeur qui aurait été une juste récompense pour le Britannique. Il faudra voir pour Finlay Pickering. On a vu des situations comme ça assez catastrophiques où en 7 km d'ascension, des coureurs peuvent perdre facilement 10-12 minutes quand on est, comme l'est d'ailleurs le coureur anglais Finlay Pickering, donc collé à la route parce que
il a fait quand même un effort énorme tout au long de ses 140 premiers kilomètres de course. Il n'y a plus d'essence dans le moteur, quoi. C'est une évidence. Hein. Et il peut être peut-être aussi victime de fringales, sait-on jamais. Ça va être difficile pour le Britannique de bien figurer d'ailleurs dans le classement à la fois de l'étape et du général. Ça sera vraiment une ascension terrible pour ce coureur qui aurait peut-être pu attendre, Lilian, parce que c'est curieux cette stratégie d'attaquer comme ça dès le baisser du drapeau pratiquement à Saint-Thibault-de-Couze. Donc il a mis le feu aux poudres et je ne sais pas si c'est pas un peu suicidaire. Il a tenté le tout pour le tout, c'est certain. Il était à presque 5 minutes de Van Hetvelt, hein, au classement général. Donc s'il restait avec les hommes forts, il n'avait aucune chance de revenir en tout cas à leur hauteur dans le final. Alors c'est vrai, s'il n'avait fait que suivre, eh bien peut-être on allait jouer le podium, mais je crois que ça démontre tout le panache de Finney Pickering qui s'est dit aujourd'hui soit je renverse tout, soit je ne fais rien. Et peut-être au passage va-t-il aller chercher un maillot distinctif. On lui souhaite en tout cas après le bonheur qu'il nous a apporté sur l'épreuve, parce que c'est vrai qu'on a apprécié de voir un garçon comme ça se dévoiler aussitôt, Finney Pickering. Et en tout cas, je reviens sur quelques infos qui nous parviennent au compte-gouttes également sur ce qu'il se passe à l'arrière, puisque on nous signale que Martin Tiota est à 3 minutes avec Johannes Kulseth. Donc pour le Norvégien de Bourg-en-Bresse en cyclisme, on est bien parti pour aller là aussi faire une remontée au classement général. Parmi les grands perdants pour l'instant en général, on peut citer Alessio Martinelli, le quatrième, Tymon Grat qui a totalement disparu également. Pippin Rendering, plus de nouvelles non plus. Le grand perdant, malheureusement pour lui, Rémi Capron, victime d'une chute visiblement tout à l'heure et qui a dû quitter la route de la Pizère Tour. Donc Martin Tiota, le huitième du classement, pourrait lui aussi revenir dans le top 5 si les choses se confirmaient de la sorte. En tout cas, il va y avoir des changements ce soir à Saint-Pierre-de-Chartreuse, hein, au niveau des classements généraux, bien sûr, mais au niveau des classements, des autres classements, c'est sûr qu'il y aura de grosses modifications et ça nous réserve de belles surprises. C'est vrai que pour en revenir à Finney Pickering, il a peut-être présumé de ses forces en voulant tout faire sauter dès les premières rampes donc qui lui étaient proposées. On n'est pas sur un tour d'Alsace ici où on a des côtes quand même moins longues. On est carrément là dans les Alpes avec l'ex-tour Norisère qui est devenu donc l'Alpizère Tour, mais on est sur des ascensions, de, comme on le voit avec le col de Porte, de 15 km. Hein. La planche des belles filles, c'est bien. C'est une très belle ascension, mais ça fait le tiers du col de Porte. Ouais, et Finney Pickering, effectivement, qui risque de perdre beaucoup, même si la pente est moins raide que ne peuvent l'être celles de la planche, voire la super planche des belles filles dans le final. Eh bien, ici, Pickering, après tous les efforts consentis jusqu'à maintenant, qui est en train de perdre gros, risquer de perdre gros pour tout gagner. C'était en tout cas son objectif. Et bien cela se respecte en tout cas du côté de la Trinity Racing qui aura trouvé le moyen d'animer les routes de l'Alpizère Tour dans cette ultime étape. Et il y en a un qui anime bien également, c'est Yael Joalan, ici à l'image pour le CIC Unant Atlantique. Ah, il est étonnant, hein. Franchement, il se livre là un combat extraordinaire alors que les hommes de tête donc passent au panneau indiquant les 5 derniers kilomètres d'ascension dans la traversée de la station de ski du Sapet en Chartreuse. Et c'est vrai que le coureur de la CIC Nantes Atlantique est vraiment donc surprenant d'aisance dans cette ascension du col de Porte. Étonnant, hein, pour ce coureur de voir qu'il aurait peut-être pu faire mieux. En tout cas, là, il nous réserve une très, très belle ascension. Et on va voir jusqu'où il est capable d'aller, lui qui va se confronter, bien entendu, là encore, aux 5 derniers kilomètres de ce col. Ce ne sont pas les plus, comment dire, les plus pentus, hein, les 5 derniers kilomètres, ou les plus difficiles, notamment d'ailleurs le dernier kilomètre, mais encore faut-il le faire, encore faut-il avoir les ressources suffisantes
pour maintenir la pression et assurer le train. Alors que Finney Pickering est annoncé avec un retard de 2 minutes 10 hein, maintenant sur ces, ces deux hommes. Ouais. Beaucoup de monde au bord des routes, Lilian. Hein. C'est plaisant de voir que de nombreux spectateurs donc, se sont mis sur le bord des routes pour encourager bien sûr les coureurs dans cette côte, dans cette ascension. Donc, voilà, ils vont avoir besoin de, d'encouragement. Et pour information, c'est vrai qu'hier, Yael Joalan perdait 4 minutes 45 sur Van Etvelt. Il perdait presque 4 minutes sur le, l'ensemble des grands favoris. Donc voilà, petit passage à vide hier peut-être pour Yael dans des conditions, on le rappelle, difficiles. Les premières chaleurs, une étape mouvementée. Et aujourd'hui, l'opportunité de finir sur une très bonne note, même si le CIC nous a déjà tout prouvé avec la victoire de Noah Isidore jeudi à Four. Mais le coup de pédale est impressionnant pour Yael Joalan qui accuse un retard de 50 secondes ici sur les deux hommes. J'allais dire seulement, hein, seulement 50 secondes. Franchement, c'est l'homme qui impressionne actuellement parce qu'on le voit donc relancer sans cesse. Ça veut dire qu'il a encore, de belles réserves et il sait que l'écart donc se réduit avec les deux hommes de tête, donc le maillot jaune, Lennart Van Etvelt et le maillot blanc, Oscar Honley. Il peut peut-être d'ailleurs dans les longues portions, donc les longues lignes droites qui terminent ce col de porte, peut-être les apercevoir. C'est motivant en tout cas quand on est dans une ascension comme ça et qu'on se sent à l'aise. C'est parfaitement motivant. Tellement à l'aise qu'il y a les mains en bas du guidon. C'est remarquable dans une ascension comme celle-ci, même si la pente doit être un petit peu moins sévère que ce qu'elle n'était tout à l'heure. Mais on est presque en position de rouleur pour Yael Joalan. J'étais en train de calculer. Il a 2 minutes 30 d'avance à l'heure actuelle sur Johannes Kulseth, le troisième du classement général. Donc 2 minutes 30 sur la route, mais un retard dans le classement de 3 minutes 30. Il faudrait encore reprendre une minute sur Kulseth, ce qui est loin d'être impossible. Et là, ça voudrait dire podium pour Joalan. En tout cas, quoi qu'il en soit, il aura fait une belle opération finalement. Et c'est vrai que le coureur de CIC Unente Atlantique, Yael Joalan, dossard 102 sur les routes de l'Alpizère Tour, fait forte impression. Vraiment, c'est l'un des coureurs qui m'aura le plus impressionné dans cette ascension. Il est très à l'aise, on le voit assis sur la selle et parfois se lever comme c'est le cas actuellement pour relancer. Il est motivé parce qu'il sait que l'écart qui semble d'ailleurs se maintenir à 50 secondes peut se réduire. Il reste encore suffisamment de kilomètres pour refaire une partie de ce retard et entrevoir bien sûr les deux hommes de tête que sont le maillot jaune, Lennart Van Etvelt, et le maillot blanc, alors, Oscar Honley. Il ne les aperçoit pas ici sur ces portions encore. L'écart est trop important, mais l'enjeu est double pour Yael Joalan puisque effectivement, on peut regarder l'écart qu'il sépare des deux hommes de tête vis-à-vis d'une éventuelle victoire d'étape. Mais là, il faut surtout regarder l'écart vis-à-vis de l'arrière et voir combien il peut reprendre aux différents leaders du classement général pour essayer de se rapprocher, signer le top 5, voire le podium. Mais l'écart diminue, 45 secondes communiqué ici sur les deux hommes de tête. Voilà, alors que on en a terminé avec la station de ski du Sapé et que nous sommes, je pense, autour des trois derniers kilomètres de l'ascension du col de Porte, puisqu'il reste 13 kilomètres donc avant l'arrivée ici à Saint-Pierre de Chartreuse. Et Honley qui a du mal à suivre. Ouais. Hein. Honley qui a du mal à suivre. J'ai même l'impression que Van Etvelt l'attend. Alors c'est assez remarquable. Alors, ça peut faire le jeu de Joalan. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Oscar Honley qui bute un petit peu.
Van Edvelt qui, à part finir en patron, n'a plus forcément d'enjeu que pour distancer tout le monde. Et là, ça y est, il y a un point visuel. Il est sur le point de les apercevoir. Hein. Franchement, il va les avoir en point de mire, comme on dit. Et là, il va remettre une couche, à mon avis, le coureur du CIC Nantes Atlantique. Je pense que c'est une motivation supplémentaire qu'il va trouver déjà en apercevant le maillot blanc. Ça va être motivant de pouvoir revenir sur Oscar Honley. Alors, à l'ardoise, on a 55 secondes. Et Van Edvelt s'en va tout seul. Cette fois-ci, c'est fini hein, pour Oscar Honley. Alors que le vent se lève de façon assez importante sur la ligne. Et que ces coureurs vont peut-être là aussi buter contre quelques rafales dans le final. Pour l'instant, on est à l'abri hein, dans cette ascension boisée du col de Porte. Une ascension dans laquelle le maillot jaune est en train de s'exprimer en patron réel de l'Alpizère Tour. Et on nous a annoncé tout à l'heure, donc au niveau météo, bien sûr, des orages aux environs de l'arrivée ici au Sapé en Chartreuse. Souhaitons bien sûr qu'il n'en soit rien, notamment dans la descente de Porte, parce que c'est une descente qui, comme on le soulignait et signalait tout à l'heure, c'est une descente qui est rapide et qui pourrait être dangereuse. En tout cas, le vent se lève effectivement. Vent défavorable pour les coureurs dans l'ultime ascension précédant la ligne d'arrivée ici au Sapet, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, excusez-moi, alors que le coureur de Nantes Atlantique continue bien entendu cet effort violent qu'il s'est imposé dans l'ascension de Porte. Avec l'écart qui est affiché à 45, qui est aussi entre 45 et 50 secondes. Et un Jolan qui fait une superbe montée. On va essayer d'avoir l'écart sur l'arrière surtout. C'était toujours 2,30 entre Jolan et Kulseth. Un petit peu plus loin derrière, le troisième du classement général. En tout cas, si Jolan ne voit pas les coureurs, il voit au moins les motos qui sont derrière les coureurs. Ça aussi, c'est une motivation supplémentaire, alors que le maillot jaune est à 2 km maintenant du sommet du col de Porte. 2 km du sommet donc pour Lennart Van Edvelt, le coureur belge de Sar 126 de la Lotto Destiny. Ben finalement, ils étaient deux au départ. Il y a eu un abandon en cours d'étape, il est tout seul. Et il fait le ménage tout seul. Ça, c'est assez extraordinaire de voir que ce garçon peut, pourquoi pas, remporter l'étape et l'Alpizère Tour. Il reste un peu moins de 12 km pour cela. Souhaitons bien entendu que tout se passe bien dans ces 12 derniers kilomètres. Mais il est clair que on en aura presque fini avec les difficultés d'ici 1,6 km maintenant. Oui, alors que l'écart qui est affiché est maintenant celui entre Van Edvelt et Honley, hein, 15 secondes. Donc on va essayer de garder une oreille sur toutes nos sources d'informations à 2 km du sommet pour Yael Joalan. Et je cherche. Je trouve qu'il est un peu moins saignant peut-être qu'il ne l'était donc au début de cette ascension. Je ne sais pas si il connaît l'ascension de ce col de Porte, mais c'est vrai que je ne voudrais pas que le coureur de Nantes Atlantique paye ses valeureux efforts dans les derniers kilomètres de ce col de Porte. Je rappelle que donc il est passé au panneau indiquant les deux derniers kilomètres, alors que le maillot jaune, Lennart Van Edvelt, lui, se rapproche bien sûr du dernier kilomètre d'ascension. On ne sait plus trop comment se positionner. On voit que Yael Joalan donc, se lève sur les pédales, se dresse sur les pédales, se rassoit. C'est pas facile hein, pour lui d'assurer
le tempo qu'il voudrait assurer et d'essayer bien sûr de revenir sur les deux coureurs de tête, au moins de revenir peut-être sur le maillot blanc, le Britannique Oscar Honley, Dossard 81, le coureur de la team DSM que l'on voit à l'image actuellement. Et lui qui sera souvent resté assis sur la selle. On va essayer d'avoir le point visuel avec Van Etvelt. On n'aperçoit même plus, hein, signe que le maillot jaune s'est vraiment envolé à l'avant. Et alors qu'on est dans des portions moins difficiles actuellement, Lilian, oui, dans l'ascension de Porte. C'est vrai que le pied du col de Porte est particulièrement difficile à gérer du côté de Montbonneau, Mélan, Coran. Là, effectivement, donc on sent d'une part la fin de cette ascension. Donc on est bien entendu transcendé par ce dernier kilomètre qui reste à franchir. Il y a plus de 15 secondes. Hein. Suivi la moto comme si on y était. Et là, l'écart qui est vraiment en train d'être important pour Van Etvelt. Alors j'étais en train de faire le point et de compter les points, surtout du côté du classement de la montagne. Et donc Van Etvelt pourrait bien revenir, vu comme il est parti, à égalité de points avec Finney Pickering. Mais Finney Pickering ayant passé le plus souvent en tête des ascensions, il pourrait peut-être conserver le maillot. Donc on fera bien attention tout à l'heure au point réglementaire, avec quand même une petite déception pour Finney Pickering. Ce sera une anecdote, mais il s'en voudra. C'est que l'autre jour, il a été pénalisé pour un jet de déchets hors zone. C'est-à-dire qu'il y a des zones poubelles sur la route, des zones de déchets où les coureurs peuvent se débarrasser des emballages de leur bar, des emballages divers. Et si on jette un déchet en dehors de cette zone, eh bien on est pénalisé. Et lui a été pénalisé avec une amende et deux points de retrait au classement de la montagne. Et bien ces deux points qui pourraient lui manquer tout à l'heure, c'est quand même dommage pour Finney Pickering, qui pourra s'en mordre les doigts et regarder à deux fois la prochaine fois, hein, le respect de l'environnement qui reste l'une des préoccupations de notre cyclisme moderne. Et c'est vrai que ces zones poubelles sont un progrès, puisque ce sont des zones où on peut jeter ses déchets qui sont nettoyés ensuite. Et en dehors de cette zone, eh bien, les coureurs ont interdiction de jeter des déchets, sans quoi ils sont pénalisés. Ça a été le cas pour Finney Pickering l'autre jour. Oui, donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les arbitres UCI veillent au grain et qu'elles sont impitoyables, effectivement, sur les règlements. Ça vaut aussi pour les bidons collés. On a eu des coureurs qui se sont pris des amendes alors que l'homme de tête arrive au sommet du col de Porte. Voilà, le passage donc au sommet du col de Porte. Donc, plus que 9,5 km de descente et les 500 derniers mètres avant de découvrir la ligne d'arrivée. On n'est pas si loin, hein, pour Oscar Honley. Ouais. Si on est capable de faire une bonne descente, peut-être revenir. Alors, ça n'aura plus d'incidence maintenant sur le classement général, à moins d'un incident dans le final, ce qu'on ne souhaite absolument pas, bien sûr, à Lennart Van Etvelt. Mais il va remporter le classement général. Maintenant, si Oscar Honley peut faire une bonne descente, il peut peut-être revenir sur la tête avec... c'est rare, un moucheron qui est venu se coller sur notre caméra. J'ai l'impression que... et je pense que, alors qu'on voit qu'il y a effectivement beaucoup de monde, beaucoup de voitures dans la descente du col de Porte en direction, bien sûr, de Saint-Pierre de Chartreuse, que bon, l'intérêt pour Lennart Van Etvelt, ce serait bien sûr de gérer ce maillot jaune, de gérer sa descente sans prendre trop de risques. Je ne sais pas comment tu vois, toi, Lilian, cette situation. Personnellement, avec 55 secondes d'avance, même si Oscar Honley revient sur lui, c'est pas dangereux, c'est pas finalement quelque chose de rédhibitoire. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que Van Etvelt doit vraiment gérer tranquillement cette descente. Il n'est pas une victoire d'étape près. Même si Honley revient et vient lui chuper la victoire, eh bien, Van Etvelt a brillé hier et va remporter le classement général. Donc, voilà, même si pour l'instant, ça reste Van Etvelt, d'après les images que l'on a, ça reste Van Etvelt qui fait un début de descente un petit peu plus offensif. On sent qu'Oscar Honley manque un peu de lucidité. Il appuie un petit peu moins fort. Il ne relance pas à la sortie des
des courbes. Et c'est Van Edvelt qui s'élance maintenant en direction de Saint-Pierre de Chartreuse, qui devrait rejoindre très vite. Hein. Maintenant, on est lancé pleine balle dans cette descente. Joualon a dû franchir le sommet. On va essayer d'avoir les écarts encore une fois. À mon avis, dans une douzaine de minutes, on est sur la ligne d'arrivée ici à Saint-Pierre de Chartreuse. Ce sera le deuxième passage, bien sûr, sur cette ligne d'arrivée pour les coureurs, mais ils en auront terminé avec cette galère parce que c'était une étape galère aujourd'hui que nous ont proposé les organisateurs au cœur d'un magnifique parc, le parc de Chartreuse, un parc verdoyant à côté de grandes agglomérations, notamment de Grenoble. Et du côté du classement général, donc on pourrait ne même pas avoir de changement hein, au général. Van Edvelt devrait s'imposer devant Hanley. Et derrière, Joualon qui ne parvient pas à reprendre suffisamment de temps à Johannes Kulseth. Alors il faut dire qu'il fallait combler 3 minutes 30. Mais ici, on nous annonce un retard de 3,25 sur l'homme de tête pour Martin Ciotta, qui va faire également une bonne opération pour Bourg-en-Bresse en cyclisme. Pour Kulseth, Brio Roland qui est là également et qui sont revenus d'ailleurs sur Finlay Pickering. Eh bien, je crois qu'on aura là les 7 leaders du classement général avec dans l'ordre Van Edvelt, Hanley. Kulseth pourrait conserver la troisième place. Le retour de Martin Ciotta, de Joualon peut-être hein, en quatrième position. Martin Ciotta pourrait signer un top 5 au classement général. Voilà, ce n'est que de la fiction pour l'instant, mais de la fiction qui pourrait devenir réalité d'ici quelques toutes petites minutes, puisque les coureurs sont lancés dans la descente en direction de Saint-Pierre de Chartreuse. Il restera quand même une jolie rampe hein, pour rejoindre le haut du village, rejoindre le cœur de la station. Alors que nous sommes aux environs de 73 km/h dans la descente de ce col de porte. 73-75 km/h dans la descente de porte. Je pense que Joualon aura peut-être des difficultés à revenir. C'est vrai que quand il est pointé à 1,30 hein, au dernier pointage ouais, en plus, il a perdu du temps. Il a produit un effort énorme dans l'ascension du col de porte. Et quand on produit un tel effort, il est vraiment, vraiment difficile de pouvoir bénéficier d'une totale lucidité dans la descente. Et je crois que Joualon peut-être a-t-il intérêt à gérer la situation. En tout cas, il y en a un qui gère et qui gère au mieux ses propres intérêts. C'est Lennart Van Edvelt, le coureur belge de la Lotto Destiny. Belle maîtrise pour l'instant du leader de cette course. C'est intéressant hein, de voir qu'un maillot jaune peut remporter à la fois, alors qu'il est à 70 km/h au compteur de la moto, peut remporter à la fois donc, l'étape et le général. C'est sûr que nous sommes, je le rappelle, dans la descente maintenant du col de porte. Il nous restera une dernière difficulté, Lilian. Mais c'est pas une difficulté mince. C'est pentu, effectivement. Ce ne sera pas très long, mais pentu pour rejoindre la ligne d'arrivée. Alors que Van Edvelt ne devrait pas tarder justement à arriver au bas de cette descente. Et avec un podium au classement général qui se fige kilomètre après kilomètre. Et Lennart Van Edvelt qui va revenir donc au pied de cette ultime ascension. Il faudra voir du côté du classement de la montagne. Effectivement, Sylvain Chippé, le leadership à Finlay Pickering. Mais je ne crois pas. On va en terminer à égalité de points. Mais Finlay Pickering étant passé si souvent en tête des difficultés du jour, hein, ça devrait suffire pour lui. Mais Lennart Van Edvelt qui va aller chercher le maillot jaune. Certainement également le classement par points avec deux victoires d'étape. Pas de souci là-dessus. Et du côté du prix de la combativité, qui est le combiné un peu sur l'Alpe Isère Tour, eh bien on ira là aussi compter les points. Gabriel Fédé va avoir du mal à conserver ce maillot. Et il faudra faire attention au délai. Hein. On verra combien de coureurs sont classés ce soir entre les abandons et les délais qui ne seront pas extensibles. Du côté de la combativité...
Ça va se jouer entre Van Etvelt et Finlay Pickering. Voilà, pour l'instant, en tout cas, les dernières courbes de cette descente pour Lennart Van Etvelt. Promis, on l'a assez dit, un bel avenir en World Tour. Arrivé 2 km pour l'homme de tête. Et dans un gros kilomètre, on sera au bas de cette descente, aborder les dernières rampes vers Saint-Pierre de Chartreuse. Traverser, il va faire le doublé, là, gagner deux étapes de suite comme cela, deux étapes en plus de montagne. Maillot jaune sur les épaules, moi je n'avais jamais vu donc une telle situation tout au long des 31 premières éditions de cette Alpe Isère Tour, puisque nous en sommes aujourd'hui à la 32e, une année sans, c'est l'année 2020 hein, pour des raisons que tout le monde connaît au plan sanitaire, et 32e édition donc, alors que Lennart Van Etvelt voit les premières habitations de Saint-Pierre de Chartreuse et qu'il est dans l'ultime rente. Allez, c'est parti pour ces 500 derniers mètres. Le public qui va pouvoir attendre le héros, le patron, va aller chercher la deuxième place de l'étape et la deuxième place du classement général. Final. Beaucoup de monde sur cette ligne d'arrivée, donc beaucoup de monde. Ça fait plaisir de voir effectivement un public, parfois de connaisseurs, mais en tout cas des gens qui mordent au vélo. Et c'est une très très belle ligne d'arrivée ici qui a été tracée au cœur de ce massif de la Chartreuse, ici à Saint-Pierre. Et la victoire d'un coureur belge. Il faut l'arrêter, il est parti remonter le cucheron, là, Lennart Van Etvelt. Comme s'il n'en avait pas assez. Et on le retrouvera très certainement. Je crois qu'on n'a pas besoin de photo finish aujourd'hui à Saint-Pierre de Chartreuse. En revanche, on va avoir besoin de chrono, alors que Yael Joualan est en train de nous rejoindre. Un garçon qui était rentré dans le top 20 également avec les meilleurs professionnels sur la classique Grand Besançon, disputée au mois d'avril. Et remporté par un certain Victor Laffey. Eh bien, Yael Joualan vient en terminer sur cette ligne d'arrivée finale. Et là, on déclenche les chronos. Ah, il l'a fait, la troisième place. La troisième place est pour lui. Pas sûr que cela suffise à remonter sur le podium au classement général. Pour l'instant, en tout cas, donc troisième place de l'étape pour Yael Joualan, le coureur du CICU Nantes Atlantique, qui aurait été crédité vraiment d'une très très belle étape et notamment d'une ascension remarquable et remarquée de ce fameux col de porte. Ouais, sacré finish donc pour Yael Joualan, mais il y a des écarts, hein, Lilian. Il faut terminer pour Yael Joualan avec 3 minutes 34 d'avance sur Kulset pour jouer le podium, et Kulset n'était pas si loin hein, donc ça va être difficile de décramponner, mais sacré Alpe Isère Tour pour CICU Nantes Atlantique. Victoire d'étape jeudi avec Noé Isidore. Troisième place aujourd'hui pour Yael Joualan. Ils ont tenu leur rang, cette équipe continentale. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont peut-être un peu déçu si on tire d'ores et déjà une conclusion sur cette 32e édition de l'Alpe Isère Tour. C'est vrai que la Green Project Bardiani CSF n'est pas parvenue à exister. Elle est un cran au-dessus des équipes continentales, mais finalement, on l'a peu vu. Et il est clair qu'aujourd'hui, effectivement, on voit des formations comme la DSM, la Lotto Destiny, la Trinity aussi, que Finlay Pickering a illustré tout au long de cette étape, ou en tout cas des 140 premiers kilomètres de la dite étape. Franchement, se sont montrés. Chapeau à ces formations donc, qui sont des équipes continentales, il faut le rappeler. Il y avait en dehors, bien sûr, de la formation Bardiani, 14 autres équipes continentales. 8 équipes amateurs au total, donc 23 formations, et Lilian Couillet le disait tout à l'heure, des équipes de 6 coureurs, beaucoup terminent réduites. Je crois qu'il y a 3, peut-être 4 formations qui étaient au complet donc au départ de cette dernière étape. Alors que l'on retrouve les images aériennes du vainqueur qui a pu savourer
sur la ligne d'arrivée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ouais, la joie du vainqueur, la joie de l'Enert Van Elvelt ici, qui demande des applaudissements à la foule. C'est effectivement un grand bonheur de retrouver ce garçon, ce coureur belge. Oula, et Kulseth qui va conserver le podium pour pas grand chose. Hein, sur, ça va jouer à les secondes, non? Oui, sur Yael Joalan et Martin Ciotta qui va faire un superbe finish, le Norvégien de Bourg-en-Bresse. Ouh, on en termine à 3,20 de Joalan. Hein. 3,20 pour Martin Ciotta qui va faire donc une remonté là aussi au classement général. Il était 8e. Martin Ciotta, il était à 1,39. Et je crois que Joalan va lui passer devant quand même. Donc Kulseth devrait être 3e. Joalan 4e, Ciotta 5e. Et Brio Roland qui vient en terminer. Belle étape pour lui également. Qui va se concrétiser par une 6e place. Ah, ça fait quand même... Des écarts énormes. Hein. On voit les coureurs qui arrivent ici à Saint-Pierre de Chartreuse, les uns derrière les autres. Brio Roland qui prend donc la 6e place de l'étape. Et on attend Finlay Pickering, le grand animateur de la journée. Alors que c'est Jordan Jegat, je crois, qu'il va en terminer d'abord. L'autre grimpeur du CICU Nantes-Atlantique qui va aller prendre la 7e place de cette étape pour le CIC Nantes-Atlantique. Et derrière, je crois que c'est encore un Bressan. 8e ouais. Position, 8e et 9e position pour Charles Page et Baptiste Huyer. C'est Baptiste Huyer d'abord, Charles Page ensuite. La Green Project. Et est-ce qu'il est là, Finlay Pickering? Oui, je crois que c'est lui pour venir en terminer aux portes du top 10. Le héros du jour. En tout cas, il termine quand même avec plusieurs minutes hein, dans la. Ah non, dans c'était l'un de ses coéquipiers, le voilà. Pickering, c'est lui cette fois-ci. Donc, au moment d'aborder la dernière ligne droite. Et je crois que lui aussi va mériter le respect du public aujourd'hui. Finlay Pickering, 140 km à l'avant, repris dans le final. Il aura essayé de renverser l'Alpizère Tour. Il n'y sera pas parvenu, mais va peut-être bien se consoler avec un maillot de meilleur grimpeur. Hein. En tout cas, ce qui est étonnant, Lilian, c'est de voir l'étape réalisée par les coureurs de Bourg-en-Bresse Saint-Cyclisme, équipe amateur de DN1, qui vraiment a brillé aujourd'hui sur les routes de Chartreuse. Et vraiment un excellent comportement de cette formation qui place plusieurs coureurs quand même aux avant-postes, et notamment dans un top 10. Et on va essayer de retrouver dans quelques instants justement l'interview du vainqueur en attendant la suite des compétiteurs. On va écouter en vitesse Monsieur le maire et écouter ce qu'il nous disait. Alors c'était sur une interview enregistrée avant l'épreuve. On le retrouvera tout à l'heure pour le podium. Mais Monsieur Gus Meroli, maire de Saint-Pierre de Chartreuse, qui se confiait donc à la réalisation il y a quelques semaines. Et on va l'écouter avant de retrouver le plateau. Bonjour, oui effectivement c'est la première fois que le Alpizère Tour s'arrête à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Il est passé l'année dernière, c'était déjà une vraie fête pour le village et cette année ils s'arrêteront et c'est un vrai honneur pour nous d'accueillir l'arrivée de l'ultime et dernière étape de l'Alpizère Tour. Et ben, on commence actuellement la préparation et l'organisation du village d'animation dans le village. À la fois que la communauté de communes, le département de l'Isère et puis tous les acteurs du village, les commerçants, les socioprofessionnels qui pratiquent et qui font vivre l'activité vélo sur le territoire. Tout ça est en plein travail, ébullition et ça sera un riche programme, j'en doute pas. Alors je pratique encore effectivement du vélo, plus de vélo électrique maintenant, mais j'ai parcouru souvent les routes de Chartreuse en vélo et j'ai un souvenir effectivement ici quand j'étais étudiant où j'ai eu l'occasion de parcourir ici le col du Cucheron pour m'entraîner pour une course que je faisais étudiant à Lyon, les 24 heures de l'INSA, effectivement. Oui. Alors le vélo, c'est une activité qui se pratique énormément ici en Chartreuse. C'est un territoire qui s'y prête merveilleusement bien, avec de nombreux cols, de nombreuses descentes et des points de vue magnifiques à l'arrivée comme le Charmançon.
Et c'est une activité en plein essor, notamment avec le vélo électrique, avec plusieurs commerçants maintenant qui en proposent à la location. Et on voit les routes de Chartreuse parcourues par les jeunes, les anciens, les sportifs, les moins sportifs. C'est un vrai plaisir de les voir tous sur nos montagnes, sur nos routes, pratiquer cette nouvelle activité. On est ici en plein cœur de la station de ski qui fonctionne cet hiver. Mais notre territoire des moyennes montagnes, comme beaucoup d'autres, et maintenant on est à l'heure des activités 4 saisons, la diversification et le vélo, comme le ski, comme nos activités, font partie de tout ce qu'on veut maintenant développer et promouvoir pour notre territoire. Voilà donc un superbe finish aujourd'hui pour conclure l'Alpizer Tour dans cette édition, la 32e édition 2023 qui aura tenu toutes ses promesses et avec à l'arrivée les différents classements qui sont en train de se figer également. On va retrouver les images bien évidemment du vainqueur il y a quelques instants, Lennart Van Etvelt, maillot jaune sur les épaules qui est allé s'imposer alors que vous le voyez d'autres coureurs continuent d'en terminer, notamment ici avec les couleurs de la Jumbo-Visma Development et je crois que c'est Timon Graat qui a perdu gros aujourd'hui. Le top 10, vous le découvrez ici à l'image avec Lennart Van Etvelt qui remporte cette étape de Boskeren, les Liège-Wallons avec un superbe finish, a pris la troisième position. Chapeau à Martin Ciotta pour Bourg-en-Bresse Cycling. Quatrième, Johannes Kulseth est cinquième. Brio-Roland prend la sixième place. Jordan Jegat est septième. Et puis Bourg-en-Bresse, vraiment brillant. Baptiste Thuillet est huitième. Charles Page, neuvième. Et je suis en train de me demander si Bourg-en-Bresse ne va pas remporter le classement par équipe. Ce serait historique, mais ici, on a vraiment un joli tiers groupé. Luca Paletti a lui complété le top 10 de l'épreuve. Du côté des différents classements annexes, on va pouvoir commencer à confirmer tout cela avec le leadership du classement par points pour Lennart Van Etvelt qui va repartir donc avec le maillot jaune, le maillot vert, également a priori le maillot rouge de la combativité pour Lennart Van Etvelt. Un classement du combiné et bien remporté par le jeune Belge qui sera également maillot blanc du côté des maillots qu'il veut bien laisser aux autres. Et bien ce sera le maillot bleu ciel pour Clément Carizé qui, s'il termine l'étape dans les délais, va conserver donc le leadership. Et du côté du classement de la montagne, eh bien Finlay Pickering devrait conserver donc ce classement alors qu'on voit d'autres coureurs en terminer, notamment ici je crois avec Joris Chaussinant pour l'équipe AG2R Citroën U23, alors que j'aperçois non loin de moi Oscar Honnelay qui termine finalement deuxième de ce classement. S'il veut me rejoindre, on va le laisser récupérer également de quoi se débarbouiller un petit peu aux côtés de son assistant et on aura ensuite sa réaction avant celle du vainqueur de l'étape et du classement général, Lennart Van Etvelt. Oscar Honnelay aujourd'hui qui aura tout fait pour résister mais qui va échouer à la deuxième place. Il nous rejoindra ensuite sur le podium. Mais aujourd'hui face à Lennart, c'est bien, il était tout simplement trop fort et on l'a vu dans le final, eh bien dans la montée du col de Porte, Oscar Honnelay être décramponné, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et puis Van Etvelt qui vient donc s'imposer. Et on va le retrouver dans un instant, Oscar Honnelay, on le laisse reprendre son souffle évidemment, au moment de ficeler peu à peu donc ses différents classements. Et on va essayer de retrouver le top 10 hein, du classement général également qui commence à se ficeler. Alors certains coureurs sont très loin, mais a priori dans ce classement, eh bien Lennart Van Etvelt s'impose devant Oscar Honnelay. Johannes Kulseth est bien troisième. Martin Ciotta va prendre la quatrième place du classement général pour Bourg-en-Bresse Cyclisme. Liège Wallons sera cinquième. Brio-Roland sixième. Charles Page septième. Adam Tupalik huitième. Finlay Pickering neuvième. Jordan Jegat dixième. Il faudra voir où on en est chez les autres, notamment du côté de Baptiste Thuillet pour Bourg-en-Bresse, qui serait le troisième hein, pour le compte de Bourg-en-Bresse en cyclisme. Et Oscar Honnelay qui est presque prêt pour nous livrer sa première réaction avant de retrouver le podium protocolaire.
Voilà le deuxième du classement qui me rejoint, 1 minute 35. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui, c'était vraiment une étape difficile. Oscar, congratulations for this second place in general classification, but it's true there was nothing to do against Lennart today. Il n'y avait rien à faire face au vainqueur du jour. No, I think the strongest man won this week, and chapeau to Lennart, he's a really strong rider, and yeah, I already knew it, but he really had me on the limit today and yesterday. Ouais, il dit chapeau à Lennart Van Helvede qui l'a poussé vraiment dans ses plus grands retranchements. Oscar Anne qui nous dit bah voilà, le plus fort de la semaine a gagné. Chapeau à lui, il nous a même dit chapeau en français pour Oscar Anne. Oscar, this final climb was very, very hard, but to keep this second place was also important for you, I think. Garder cette deuxième place était forcément important. Yeah, of course. It's always nice to be on the podium, and yeah, I came here to win, but yeah, I also knew it was going to be a really big challenge against Lennart. So in some ways, I'm also happy with second. Voilà, lui qui se contente de la deuxième place, qui en est plutôt ravi, même si forcément il venait sur cette épreuve pour gagner. Juste un mot sur la fin de saison et la suite de la saison. How about this season? What are the next goals for you? Quels sont les prochains objectifs? Yeah, I do Criterium Dauphiné next weekend. So in France. I stay here for 1 week and then go with the team to Dauphiné. So I'm really looking forward to that. I love this area for riding, and I'm sure the racing this week will give me some good legs for the Dauphiné. So good legs for the Dauphiné. Thank you very much, Oscar. Oscar Anne qui nous disait que la semaine prochaine, il sera sur le Dauphiné, tout simplement. Sur le critérium du Dauphiné, Auvergne-Rhône-Alpes. Il retrouvera les routes. Il reste en France cette semaine pour s'y préparer au mieux. Oscar Anne qu'on retrouvera donc avec le World Tour la semaine prochaine pour participer au critérium du Dauphiné. Lennart, if you want to come. Next to me, Lennart Van Helvede, le vainqueur du classement général, qui va pouvoir se rapprocher de moi en train d'échanger quelques mots avec Oscar Anne. Lennart, Oscar just told us the strongest rider won this week. That was true. There was nothing to do against you. You were maybe the yes, of course, the strongest rider. Tu étais vraiment le plus fort cette semaine. C'est ce que vient de nous dire Oscar. I mean, the other guys rode pretty strong as well. Like what Pickering did today was incredible. Like props for racing like that. I didn't expect it to be that good. I underestimated him last year once. On the Planche Belfi in Tour d'Alsace, and he won. So I didn't want to do that today again, but he really surprised me by taking 5 minutes and still riding so strong till the last climb. It's only logic that he cracked at the end, but Oscar rode pretty strong as well. Like I had a lot of fun racing with him, and I wish him the best for the next races. Ouais, alors il vient de nous dire beaucoup de choses et notamment qu'il craignait beaucoup Finley Pickering parce que c'est vrai l'année dernière au Tour Alsace Finley Pickering a gagné le général et Lennart Van Helvede était deuxième de ce classement, donc on avait ce souvenir du Tour Alsace et Finley Pickering qui a vraiment surpris tout le monde aujourd'hui en prenant jusqu'à 5 minutes d'avance, donc Lennart Van Helvede qui a été obligé de réagir, qui a un petit peu craint pour ce maillot. Same question as Oscar, what are the next goal for this season? Maybe some races with World Team Lotto Destiny. On va te retrouver bien évidemment en World Tour prochainement. Quels sont les prochains objectifs? I'm racing again on Tuesday, Mercantour in France as well. And after that, the big goal is Tour de Suisse. Really looking forward to that. Eh bien, on le retrouvera mardi sur les routes françaises de la Mercantour Classique. Et puis, autant Oscar prendra la direction du Critérium du Dauphiné pour Lennart, ce sera le Tour de Suisse. Thank you very much, Lennart, and congratulations. See you on the podium. On le retrouvera sur le podium protocolaire. Voilà, deux garçons qui nous ont émerveillés, deux garçons qui seront au World Tour la semaine prochaine avec le programme. C'est le Critérium du Dauphiné pour Oscar, c'est le Tour de Suisse pour Lennart Van Helvede. Michel Baube, directeur de l'organisation, est à mes côtés et je crois que c'est fabuleux, c'est jamais arrivé. Vainqueur de l'Alpizer Tour la semaine d'après sur le Critérium du Dauphiné ou sur le Tour de Suisse. C'est vraiment des coureurs qu'on a eu plaisir à voir évoluer sur les routes de l'Isère cette semaine. Ils nous ont fait vraiment un grand plaisir parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, ils ont usé et utilisé le parcours comme il fallait le faire. Ils ont montré beaucoup de talent aussi, déjà malgré leur très jeune âge. On avait un peloton très jeune cette année, avec plus de 60% du peloton à 20 ans. Donc on est vraiment dans notre rôle de faire découvrir les nouveaux champions.
Et le fait qu'ils participent dès la semaine prochaine au Critérium du Dauphiné et au Tour de Suisse, c'est bien un signe que le vainqueur de l'Alpizir Tour et les premiers sont des coureurs qui vont poser sur la suite du programme des épreuves cyclistes. Je crois que ça a été une édition fabuleuse, la 32e, avec sur chacune des journées un grand suspense, sur chacune des journées un énorme plaisir à voir évoluer ces coureurs. Est-ce qu'on peut dire que c'était l'une des plus belles éditions ? Je fais jamais de comparatif parce que moi je suis toujours ravi des éditions qu'on met en place quand il n'y a pas de blessés trop graves, parce qu'on peut considérer quand même qu'hier il y a eu une évacuation, donc on était un petit peu anxieux. Donc quand on voit que ça se termine plutôt bien de ce côté-là, on est déjà rassuré. Après, quand la course se déroule bien et que tous les rouages qu'on a essayé de mettre en place fonctionnent bien, on est aussi très satisfait. Et puis après, quand on voit les champions s'exprimer sans retenue, sans rien, parce que c'est ça l'avantage des classes 2, c'est que les coureurs ne se posent pas de questions, ils vont jusqu'au bout de leur effort et font ça vraiment avec le cœur, et au cœur avec les jambes. Et donc on a toujours des courses haletantes et qui nous rendent fiers de mettre en place ce genre de programme. Et le cœur va continuer de battre au rythme du cyclisme, puisqu'on a deux rendez-vous avec le Codny la semaine prochaine, classique des Alpes juniors, l'occasion encore de dévoiler ses talents, et puis la petite sœur, l'Alpe Grésivaudan classique, deuxième édition qui nous attend juste à côté d'ici sur les routes dimanche. Là aussi, on s'attend à du grand spectacle. Oui, on a mis en place des choses. La classique des Alpes, on sait que c'est un rendez-vous que les juniors attendent avec impatience, et le calendrier les résultats des épreuves des années précédentes nous montrent que là aussi on est un sacré révélateur de talent. Donc on est dans notre rôle également, ce qui fait que les gens qui se sont exprimés et dévoilés lors de la classique des Alpes, on les retrouve au plus haut niveau derrière. Donc ça, c'est aussi une de nos satisfactions. Et puis comme le cyclisme féminin est en train de prendre un essor extraordinaire avec des besoins aussi en épreuves montagneuses, puisqu'il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, c'était notre devoir aussi de créer une épreuve pour ce personnel-là et pour ce public-là. L'année dernière, c'était une super réussite pour une première édition avec une épreuve montagneuse et difficile. Et la victoire de Devita Music, qui était la championne de France en titre. Donc ça ne pouvait pas faire mieux, compte tenu de ce qu'on voit derrière, avec sa 8e place au Tour de France, et puis là, qu'elle vient encore de faire 5e du Tour d'Espagne. Donc on ne peut être que content de cette deuxième édition qui se profile la semaine prochaine, d'autant plus qu'Evita Music sera au départ pour défendre son titre, avec un peloton qui paraîtra peut-être un peu faible au niveau de l'effectif, mais en tout cas qui sera riche en qualité, et ne serait-ce qu'en qualité de la part de la volonté de ces jeunes filles de bien figurer à l'arrivée. Eh bien, dans toute ton équipe, on a tendance à dire qu'on a une 6e et une 7e étape dans l'Alpizir Tour. Eh bien, c'est la semaine prochaine. Classique des Alpes samedi, Alpe Grésivaudan classique dimanche. Merci beaucoup, Michel Bopp, et à toute ton équipe. Moi, je vais remercier également la réalisation de Black Hole qui nous a permis de suivre donc les 60 derniers kilomètres de chacune des étapes. Remercier Jean-Claude Noyer qui a été à mes côtés. Remercier tout simplement tous ces coureurs qui nous auront émerveillés, notamment aujourd'hui avec un départ donné de Saint-Thibaud-de-Coud, départ ultra rapide avec déjà les premiers offensives, et puis derrière l'attaque de la montagne, le numéro de Finlay Pickering, et puis le sacre sans surprise mais avec plaisir de Lennart Van Etvelt, le Belge qui vient décramponner dans le final Oscar Honnelet, son dernier rival, pour finalement aller succéder à Yannis Voisard au palmarès de l'Alpizir Tour. Voilà en quelques mots le résumé des 5 journées que nous avons vécues tous ensemble. La 33e édition s'annonce tout aussi riche la saison prochaine. Avant cela, on l'a dit, rendez-vous samedi pour la Classique des Alpes Juniors, dimanche pour l'Alpe Grésivaudan Classique. On sera en direct sur les mêmes plateformes, Vélo Plus TV, Direct Vélo, YouTube, Facebook, Télé Grenoble. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et pour ceux qui sont sur la ligne, rendez-vous sur le podium protocolaire. Merci et excellente fin de journée. Reprise, et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, si sprint il doit y aller. Donc effectivement, et ce sont bien les couleurs de Metex Solarouette que l'on retrouve en avant-poste avec Yann Olen Junior, et qui effectivement étire.
Et avec également 6 points qu'il est allé chercher dans la côte du Val d'Isère, les meilleurs coups de feu autour de Pité, la nervosité que l'on a ressentie. Reprendre tout cela alors qu'on aborde les 57 derniers kilomètres et la route de 50 ans de Radavie avec bonjour dans la dernière bouchée de la côte de l'Opagus. Toujours il va être battu par un coureur de l'équipe AG2R. Si tout à l'heure pour la BMW Hotel, on retrouve donc deux hommes forts et Sébastien Berwick s'impose.